Bonjour YouTube, bienvenue pour cette VOD un petit peu spéciale. Nous venons de terminer l'aventure de Viggo. Et je me suis dit, quand est-ce que je referais un petit tour dans le multijoueur de Bannerlord, mais vraiment pour... avec un objectif. Un objectif de le tester. Un objectif de voir dans quel état il est actuellement. Et moi, en tant que joueur en Mountain Blade 2 Bannerlord, et en tant que créateur de contenu, il y a un moment où j'aimerais me mettre sur le multijoueur du jeu et me dire, là, je vais faire du score, je vais devenir bon... Je vais devenir un monstre en multijoueur. Du moins, j'aimerais au moins faire ça pendant une petite période de ma vie. Est-ce que ça durera une semaine et après j'abandonne? Ou est-ce que ça durera 6 mois, 1 an, 3 ans, toute ma vie? J'en sais rien. Mais c'est un truc que j'ai à l'arrière de la tête. Du coup, comme on sait que dans l'année 2022, on est au début de l'année 2022 au moment où j'enregistre ça, dans l'année 2022, il devrait y avoir les parties ranked, les parties classées qui devraient arriver sur le multijoueur. Eh bien, c'est très simple. Ces parties multijoueur ne sont pas encore dans le jeu. Sauf que c'est pas au moment où elles arrivent qu'il va falloir se dire « Je vais me lancer dans le multijoueur et devenir le meilleur joueur. » Il faut s'entraîner un petit peu avant. Excusez-moi, j'ai des petits bugs de son qui reviennent, ça me saoule. Tant que vous ne criez pas dans le chat, je continue. Et donc, dans l'idée, on est en début 2022, on regarde à quoi ça ressemble le multi, on va faire un petit tour d'horizon, on va aller voir le mode capitaine, le mode escarmouche. Moi, mon mode de jeu préféré, c'est le mode capitaine. Mais sinon, il y a le match à mort, il y a le mode siège, il y a aussi un mode duel en multijoueur. Et voilà, et on voit qu'il y a un petit peu de monde sur les serveurs, ça fait plaisir. Écoutez, moi j'ai envie de... Voilà, je trouve le mode le plus anecdotique, disons, même si c'est une bonne poêlée de rire, hein, de temps en temps. Enfin non, peut-être pas de rire, mais ça peut être intéressant à faire. C'est le mode... match à mort, donc on rejoint une partie, on tabasse des gens, on s'amuse, c'est rigolo. Sauf que moi, c'est pas ce que je préfère dans le jeu. Mais du coup, ça peut être pas mal pour s'échauffer, j'ai envie de dire. Donc voilà, allons-y. Et ben voilà, j'ai gagné, on va passer maintenant au prochain mode de jeu. quelle vie de merde. Oh là là. Attendez, là, je... Allô? Allô? Putain, ça me fait chier, j'ai vraiment un bug de son insupportable dans l'oreille droite. Et si vous entendez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Mes chers amis modos qui sont dans le chat, je vous invite à regarder le message que j'ai envoyé sur Discord si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin de ce message. Bref, vous avez compris. Et donc, la voilà, première fois qu'on vient sur un serveur custom, disons, et vous pouvez voir le premier bug qui n'a toujours pas été réglé du jeu. C'est-à-dire que des fois, à la fin d'une partie... Enfin déjà c'est mieux qu'avant. Avant, lorsqu'il y avait une partie... C'est peut-être parce que la rotation de map s'arrête, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais souvent, lorsque l'on passe d'une partie à une autre, le système ne marche pas et on est renvoyé au menu du jeu. C'est un problème étant donné que normalement, quand on rejoint un match à mort, que la partie se termine, à la fin de la partie, on est censé pouvoir voter pour les factions qu'on veut jouer. Les deux factions qu'on veut jouer, et aussi la map sur laquelle on veut jouer. Voilà, et dans l'idée, c'est censé nous changer de map. Avec juste, en un instant, d'un coup d'un seul, paf, on passe à la prochaine map et on continue de jouer. Donc bon, pas grave. Là, ça ne l'a pas fait, mais vous voyez que c'est pas trop dérangeant. On gagne quand même nos points, on termine la partie, on en rejoint une autre, ça va. C'est pas le bout du... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cobraz? C'est qui? Mais c'est... Non, c'est Khajiit encore! Mais comment? Mais surprise! Mais tu m'as dit que t'allais faire ça une fois tous les mois. Et là, ça fait au moins un mois... non, pas un mois, ça fait 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Khajiit, merci beaucoup pour les 1000 bits. Merci beaucoup pour le soutien, tu as été très généreux ce soir. Ne deviens pas fou. Bilbon, si tu es sur le live, tu viens de m'envoyer un message. Non mais attendez, il faut que je mette en place le système de modo. Hop là, excusez-moi. Paf, voilà. Oh si, ça marche bien, système. Oh, cher modo, on va utiliser ce système. Ça va être bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. On est en multijoueur, on est dans la partie multijoueur match à mort. Et donc, il faut que je réaffiche les bannières au-dessus des troupes, sinon je ne vais rien comprendre. Et ça va être très difficile pour moi.
Je baisse un tout petit peu le son du jeu. Putain, mais le fond vert là! Mais je comprends rien, je ne comprends pas. I don't understand. Why? Ok, ça a l'air d'aller là. Du coup, je suis décédé et j'ai perdu les seuls points que j'avais. Je suis très content. Je suis très content, tout ça pour remettre une caméra. Qui aurait déjà dû être bien positionnée à la base. Tant pis. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de jeu, j'aurais peut-être dû vous expliquer un petit peu avant. Mais vous voyez que quand je spawn, je choisis une classe. Un petit peu comme dans n'importe quel jeu de style Call of Duty. Hein. Non, c'est très mauvais exemple, c'est très mauvais exemple. Attendez, je vais vous expliquer ça au moment où je vais mourir, ce qui ne devrait pas trop tarder pour l'instant. Hein. J'essaye de farmer des sous un petit peu en tabassant l'ennemi. Aïe. Voilà, c'est... Non mais c'était prévu, c'est parce que je voulais vous montrer le menu. Hein ? Alors, voilà. Donc quand j'arrive dans le menu de spawn, vous voyez que je peux choisir une classe. J'ai un nombre de sous en bas à droite de l'écran. Là, j'ai 167 de tunas. Grâce à ces tunas, je peux choisir une classe avec laquelle je peux spawn, qui me coûte de l'argent. Et donc si je spawn avec un tireur d'élite, ça va m'enlever 160 de tunas. Sauf que, à la fin d'une partie... une fois que je meurs, pardon, je vais récupérer toujours le 100, il me semble, 100 de sous. Donc si pendant la bataille j'ai gagné 60, eh ben, je vais pouvoir aller m'acheter un tireur d'élite. Et si je spawn et que je gagne des sous, pour arriver jusqu'à 300, eh ben, je vais pouvoir me prendre un chevalier dans l'idée. Plus vous prenez une classe avec une armure lourde, plus vous prenez une troupe d'élite, plus elle va vous coûter cher. En multijoueur, c'est juste ça. Je vous expliquerai plus en détail comment ça marche. Lorsque vous arrivez dans les autres modes de jeu, parce que c'est plus détaillé dans les prochains modes de jeu. Un petit peu comme dans Counter-Strike, vous pouvez garder un petit peu de sous pour le prochain round, ce genre de choses. Là, il n'y a pas d'histoire de round, c'est simplement vous mourrez, vous achetez votre classe, et vous faites avec les sous qui vous restent. On va peut-être prendre une petite arme à deux mains. Non, on va prendre une lance, étant donné que j'ai vu qu'il y avait des cavaliers. Déjà un nombre de cadavres ahurissant sur le combat, là. Oh merde! Je lisais le chat, sauf que bon, il y a quand même quelqu'un qui m'a sauté dessus et qui m'a mis un coup dans la gueule, quoi. Enfin, peut-être que je me calme. Aïe. Non mais moi, je vous prends tous les deux, les gars. Vous n'avez pas compris. Suivi de mes copains, là. Voilà. Tiens, ne bouge pas, frérot. Vas-y, continue à viser. Voilà, ils ont pris le bus. Ils ont pris le bus vlandien. Tout le monde était sur leur tête. Ok, vous voyez, du coup, le match à mort, c'est vraiment un bazar où tout le monde respawn un peu près n'importe où sur la carte. Et c'est l'équipe qui va faire le plus de kills qui va gagner à la fin du compteur. Ou c'est l'équipe qui a fait le plus de kills et qui a atteint la limite de score qui est de... Je ne sais pas, je sais pas de combien est la limite de score. Mais j'ai un petit problème de souris, voilà, c'est bon, c'est réglé. Je ne sais pas combien est la limite de score, mais quand cette limite de score est atteinte, ça fait gagner la partie. Ou sinon, c'est à la fin du timer. Peut-être que c'est seulement à la fin du timer. Je n'en ai pas le souvenir. Bref. Continuons. Tu veux des combattants qui viennent t'aider? Dans l'idée, je teste l'expérience un peu solo. Et peut-être qu'en fin de soirée, on se fera un truc où on joue tous ensemble. Hein, pourquoi pas? Peut-être faire du captain ensemble ou ce genre de choses. À voir, on verra. Pour l'instant, je rejoins des serveurs. Et juste éviter de stream hack et de venir m'abattre pour l'amour du fun. Parce que c'est pas du fun. Ça va juste être chiant pour moi, quoi. Oh, si vous voulez rejoindre et juste jouer votre partie sur le serveur où je suis, bah, n'hésitez pas, hein, on s'amuse. Comment ça va être un peu encerclé là? Voilà, on retourne vers les copains. Oh là là, regardez. Il y a un plaisir par contre avec le match à mort, c'est que quand les gens jouent ensemble, on se retrouve avec des belles lignes de front. Et là on est dedans là. Là on est dans l'expérience Mountain Blade de Bannerlord comme moi je veux la jouer. Oh là là, quel dommage, je suis décédé. Je suis décédé au moment où je prenais le plus de plaisir, je suis mort. Je suis déçu. Attendez-moi pour mon plaisir. Voilà, tiens, chais. Non, en vrai, j'ai plus de plaisir quand je joue en mêlée, moi, mais... vous avez vu ce petit moment, là? Où on était en ligne, tous organisés à se combattre, front... Il y avait un front contre un front. Ça, c'est une expérience qu'on retrouve pas dans le solo, parce que le front en solo, c'est vraiment... Il n'y a pas d'intelligence de « moi je veux survivre », c'est vraiment l'IA aller buter pour aller attaquer l'ennemi, se coller à l'ennemi, et tant qu'elle n'est pas collée à l'ennemi, elle ne frappe pas. Et du coup, t'as tout le temps une masse
d'infanterie qui avancent. C'est pas pareil. Y a pas moyen de se mouvoir dans la ligne, de swinguer sur un ennemi, parer l'attaque de l'autre, revenir. Le combat contre une masse d'intelligence artificielle, c'est toujours différent du multijoueur. Et donc ces moments-là, plus tard, avec des modes dédiés, comme un mode bataille qui sera ajouté d'ailleurs, que Tail Wars ne voulait pas mettre au début hein, dans le jeu. Il voulait simplement mettre... Oh là, il va m'abattre. Oh là là, il va m'abattre. Il m'a abattu. Non mais voilà, moi je spoil un peu, je suis désolé, mais... Je suis dégoûté, je pensais que j'allais l'avoir. Si ça c'était Mac, c'est le banhammer de toute façon. C'est bien vu, Narpit. Du coup, voilà, vous voyez, c'est une petite expérience sympa, juste si vous voulez vous amuser à juste tabasser des gens en multijoueur ou vous caler sur le haut d'un petit balcony, un petit balcon, et tirer sur des mecs avec une arbalète ou faire du full corps à corps sa mère. Et ben le match à mort peut être fait pour vous. J'avoue, je m'amuse bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis surtout, le serveur est bien plein, il y a du monde dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de monde sur un serveur match à mort. Hop là, au corps à corps. Oui, j'ai aucune race. Non, camarade arbalétrier. Ah, il m'a mis une feinte, il m'a bien eu. Ça doit être compliqué de stream hack avec tout ce bordel. Absolument. Surtout à la vitesse à laquelle je meurs, c'est-à-dire que je me téléporte très, très facilement d'un endroit à l'autre. Et donc quand vous êtes paysan, vous voyez, vous avez une classe qui n'a aucune arme bien dès le début, mais qui est quand même capable de se battre avec une arme à une main, vous voyez. Et ben votre but va être de faire votre shopping sur le champ de bataille. Vous voyez que là il y a un très joli bouclier rond. J'ai dit qu'il y a un très joli bouclier rond, voilà. Et donc je peux faire mon shopping. Et là je me retrouve certes avec un paysan, mais avec un paysan qui se bat avec une épée bouclier. Qui meurt quand même, certes, je décède quand même. Mais, dans l'idée, c'est un peu ce que vous allez faire. Et une fois que vous avez farmé un petit peu de sous, comme je viens de le faire, et ben vous allez pouvoir prendre une autre classe. Et moi, j'aime bien jouer en mêlée, même si, bon... Même si c'est plus facile de jouer pupute avec l'arbalète dans le dos. Il est vrai. Regardez lui, il est très content que le TK ne soit pas activé. Le problème en fait avec le multijoueur en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de TK. Donc vous voyez, si je tape sur un allié, ça ne lui fait rien. Et là il y avait le TK qui venait d'être activé et je découpe mon allié. Non, il n'y a pas de TK pour l'instant. Et regardez, il y en a qui veut faire le malin, regardez. Ah non, j'ai cru que c'était un viewer qui voulait faire le fou. Et donc oui, qu'est-ce que je disais, il n'y a pas de TK. Le problème de qu'il n'y ait pas de TK, c'est que lorsqu'on arrive dans une mêlée où il y a plein de monde, et ben, ça devient vite la foire à la saucisse. Et ben chacun frappe n'importe comment. J'ai raté. Oh, on m'a volé mon kill. Non, je suis déçu. Merci beaucoup pour cet abonnement. Paranoob, merci beaucoup. Ah, du coup, je suis décédé, tant pis. Merci beaucoup, Paranoob, pour le Prime. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc là, hop, shopping, regardez. À peine spawné, on peut déjà avoir une armure, enfin un bouclier et une épée formidable. Y a pas une petite lance? Ce serait le top. Parfait. Et donc oui, je vais finir mon explication, bordel. Le TK empêche, lorsqu'il y a des gros fights, que un bon joueur qui se retrouve au milieu, puisse faire des miracles. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir faire des mouvements pour provoquer le TK des ennemis. Vous voyez, là, je suis en train de jouer avec mon allié. Je donne des coups, peu importe si je tape mon allié ou non. Bah, je m'en fous. Là, typiquement. Là, regardez. Voilà. Ils donnent tous des coups comme des fous. Et il y en a forcément un qui va me toucher et qui va me tuer. Alors que si j'avais fait des petits zigzags au milieu des ennemis comme ça, en faisant les mêmes mouvements, hein, petits zigzags au milieu des ennemis, eh ben, j'aurais peut-être pu provoquer le TK. Un ennemi aurait pu tuer son allié. Et j'aurais peut-être pu m'en sortir. Ou du moins, ça serait passé très différemment, le combat. Là, vous voyez, on bourre tous dans le tas. Le cavalier, il est arrivé, il a mis un gros coup de lance dans la mêlée. Alors qu'en vrai, s'il y avait le TK, bah, il aurait peut-être fait plus attention. Ou sinon, il aurait peut-être tué un de ses alliés. Donc voilà, ça c'est un truc. J'aimerais bien voir ça changer. Mais il me semble que Tail Wars a essayé de le changer. Et ça avait provoqué des problèmes sur les serveurs. Ils ont ajouté le fait qu'il y avait les TK. Et du coup, ça a créé des crashs sur le serveur. C'est comme ça.
Bref, en tout cas, j'espère que ça arrivera plus tard. Parce que du coup, c'est une mécanique de gameplay qui casualise le jeu. Mais pas forcément pour du bien, quoi. Enfin, ça enlève toute une section de gameplay, c'est-à-dire le combat en équipe. Le combat en équipe est moins mis en valeur avec ça. Avec le fait qu'il n'y ait pas de TK, parce que du coup, là, le combat en équipe... Allez, on bourre tous pour les empêcher de nous arriver dessus, les gars, allez! Mais sinon, bon, ça reste quand même très fun. Même si quand on se prend le bus, comme je viens de me le prendre, c'est pas... Bon, alors lui... Hein. Voilà, merci, camarade, merci. Hop là. Ensuite, lui. Hop. Ensuite. Merci beaucoup pour le follow. Hop là, vous voyez là, j'ai mis un coup de droit. Jamais je l'aurais fait s'il y avait eu le TK. Je pensais que j'allais taper dans mon allié. Enfin, il y avait une chance que je tombe dans mon allié. Salut Captain, je t'ai découvert sur les VOD YouTube et Kingdom Come Deliverance. Je dois étudier pas mal jusqu'au 27. Et tu m'as bien fait rire pendant les pauses. Si je réussis l'examen, je passerai faire un petit sub gift. Bon, si je rate, j'aurai moins envie. Ah, tu sais, moi, je te souhaite de tout cœur de réussir à ton examen. Ah, vraiment, pour ton avenir, hein, et pour ton bien-être personnel, j'espère de tout cœur que tu réussiras l'examen. Non, bon courage. Bon courage et voilà, essaye de ne pas trop perdre de temps sur mes VOD et de simplement consacrer ton temps sur mes VOD à ton plaisir. Faut pas que ça empiètre sur ton temps de révisage, si je puis dire, hein, de révision. Mais merci pour ce message. Voilà, chers combattants, là vous venez de voir le menu et comment ça aurait dû se passer normalement. Bah, voilà quoi. Là, vous, tout de suite, là vous venez de le voir. Et là on enchaîne, les gens ont voté pour la map, ils ont voté pour les classes. Et c'est reparti, et l'expérience est très smooth. Et il y a quelques mois, c'était impossible de faire ça. À chaque game, le jeu crachait. Écoutez, on vient de faire notre première partie en match à mort, c'était bien sympathique. Vous voyez qu'à la fin d'une partie, je gagne de l'expérience, je gagne des points de loot. Comment ça s'appelle en français ? Du butin. Je gagne du butin. Le butin s'accumule. Et grâce au butin, on peut mettre un but. But 1. Allez. Grâce au butin, on peut s'acheter de l'équipement. Et maintenant, j'ai une très belle jupette romaine. Hein ? Non, je vais pas acheter ça. Mais il y a un délire. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Elle fait très... elle fait très tunique romaine de frondeur de l'époque. Mais du coup, ça fait un peu tâche avec l'orage, je trouve. Ça fait très... époque Jules César. Et là, pas du tout. Vous voyez ? Bon, bref. Et du coup, ouais, y a pas mal de choses qui ont été rajoutées au jeu. Vous voyez, par exemple, ce casque, il n'y était pas avant. Et c'est pas dégueu. Pas dégueu. Pas mal d'éléments de personnalisation. Mais pour l'instant... Est-ce qu'on achètera un truc pendant ce live ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on est à combien ? Ah, on a assez pour s'acheter un gros torse d'armure. Oh, on va peut-être le faire maintenant ? Ouais, moi, je vais peut-être le faire maintenant. Ah non, quoique, je voulais m'acheter ce gant bison. Étant donné qu'il y a souvent la faction vlandienne et que c'est ma faction préférée... c'était ma faction préférée avant, maintenant je l'aime bien, disons. C'est celle que j'aime toujours, mais c'est pas genre... elle survole toutes les autres. Elle est toujours au-dessus du panier, mais... et les autres sont pas loin derrière, quoi. Néanmoins, j'aimerais bien que, au lieu que mon paysan il ressemble simplement à un paysan dégueulasse, il ressemble à un soldat dégueulasse. Mais un soldat quand même. Ok ? Soldat, soldat quand même. Passons à la suite. On peut peut-être trouver d'autres trucs aussi. Hein. Typiquement, cette armure en matelassé. Là, on passe de Pecno à une armure matelassée fort sympathique. Et peut-être qu'avec cette armure matelassée, on peut mettre un petit casque. Et là, on parle d'une recrue tout à fait correcte et stylée. Ou sinon... Alors j'aimerais réinitialiser saloperie. Ou sinon, on est sur un Pecno.
Donc dans l'idée, ça peut être intéressant de... Pour le même prix, je peux avoir un casque... Voilà. Pour le même prix, je peux avoir un casque et un haut batanien tout à fait stylé. Du moins à mon goût. Alors que chez les Vlandiens, pour le même prix, j'ai seulement un petit gambison. C'est uniquement cosmétique, esthétique. Bah, t'es ok pour tu dis esthétique. C'est bien le bon mot, cosmétique. Hein ? Ouais, en tout cas, c'est ça, toutes ces armures-là, effectivement, ne font que sur le visuel, bien sûr. Ça ne va pas du tout changer vos statistiques. Vous voyez que là, mon armure est de 14. Si je reprends la tunique, mon armure est toujours de 14 ici. Les statistiques ne changent pas. Du coup, ça entraîne un petit peu d'incohérence parce que entre un mec qui a un gambison comme ça et un mec qui a une vieille tunique comme ça, je suis désolé, la valeur d'armure, elle change un petit peu. Surtout, bon là, même si cet exemple il est bof. J'ai un autre exemple. Entre ça et ça, je suis désolé, pour moi, la valeur d'armure, elle n'a rien à voir. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le mec, il a un gambison, tu prends un coup d'épée, ça passe à moitié au travers. Là, il a une bonne côte de maille, merde. C'est pas censé être la même valeur d'armure. Et là, oui, on a la même valeur d'armure. Surtout que c'est une valeur d'armure dégueulasse. J'ai 7 d'armure. Et c'est-à-dire que cette unité qui a une grosse côte de maille, elle a 7 d'armure. Alors que le paysan comme ça, il a 14 d'armure. Vous voyez un peu la différence ou pas? Ouf. Je suis un sanglier. Oula, j'ai pas fait exprès. Oui! Un sanglier. Merci Azurig. Vous voyez, il y a un petit peu des incohérences comme ça dans les valeurs d'armure et tout. C'est-à-dire que moi, quand je vois un paysan comme ça, je me dis, oh, en un seul coup d'épée, il est tranché en deux, le gars. Et quand je vois un mec comme ça, je me dis, bon, non, comme ça. Je me dis, je vois un mec comme ça. Même comme ça, là, paf! Je me dis, oh là là, lui, il faut au moins 3 bons coups d'épée, quoi. Alors qu'en fait, il a 2 fois moins d'armure. Bref. Ensuite, passons au prochain mode de jeu. Alors, je voulais pas montrer sur le live, mais je voulais montrer lors de la dernière fois où on a testé un peu le multi. Mais on a tout un nouveau menu. Hein. Mais si vous voulez plus le détail, je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur la chaîne YouTube principale. Elle vient de sortir, la vidéo. Et ça fait le détail de tout ce menu-là à la fin de la vidéo. Mais du coup, voilà. Les petits badges, moi... fous peut-être un peu. Peut-être que je m'en fous un peu des badges. Étant donné que moi j'ai mon badge bêta, victoire de bêta de 250 bêta, qui était le badge le plus difficile à avoir en bêta, sur la version bêta du jeu. Comment dire que je ne vais pas le lâcher ce badge. Je vais y garder toute ma vie. Donc bon. En tout cas, maintenant qu'on a testé, voilà, il y a 2 modes avec beaucoup de joueurs. Le mode match à mort, le mode siège. Maintenant, gardons-nous le mode siège pour la fin du stream et passons sur le mode partie rapide. Il y a le capitaine mode et l'escarmouche avec un tiré parce que c'est mal géré l'espacement. Et tant pis. Ce sera réglé plus tard, j'imagine. Là, c'est le moment où je doute. Qu'est-ce que vous voulez voir? Tiens, je vais aller demander dans le chat. On est dans le chat, qu'est-ce que vous voulez voir, chers combattants? Tac, je vais vous demander, je vais vous faire un petit sondage. Paf. Question. Capitaine? Alors, quel mode de jeu? Paf. Paf. Capitaine. Escarmouche. Vous avez 1 minute. C'est parti, le sondage est lancé.
Comment on rejoint le clan des combattants? Bah le clan des combattants il est là, il existe, mais on n'en fait pas grand chose pour l'instant. Mais bah écoutez, je sais pas si vous pouvez le rejoindre en faisant une demande, je crois pas. Mais voyez, très inspiré, hein. Les combattants sont là pour combattre, c'est temporaire la description, annonce je vous aime, en 2020 quoi. Donc on en a... fait 2 ans quoi, ça fait 1 an et demi. Donc il est pas très actif le clan des combattants. Mais il a le mérite d'exister. Ah, marquez pas la réponse dans le chat, votez avec le Ah, nous avons un 65% pour le capitaine et un 35% pour l'escarmouche. Du coup on va faire du capitaine mode et ensuite on fera de l'escarmouche. On va faire les deux bien sûr. Semogos Bah écoute, si tu veux lancer en même temps que moi, n'hésite pas. Mais on va se réserver une game viewer, je pense, pour la fin du live. Désolé. Temps d'attente estimé. Voilà, ce sont des secondes, hein. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, là. Oh, le micro de ses morts. Regardez. 3 secondes, et ben voilà. 14 centièmes et 53 millièmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un nouvel affichage, j'avais jamais vu. Incroyable, on découvre des trucs. Regardez, Mickey, il est plus à Disney, il a démissionné. Et maintenant, il a pris des perks. Il a pris Archer, il a pris ses 2 perks. Que je ne connais pas. Arc plus rapide. Il a pris arc plus rapide. Et... l'autre d'épine. D'épingle, pardon. Incroyable. Ça fait plaisir. Moi, de mon côté, je vais prendre les guerriers tribaux. Le guerrier tribal. Alors du coup, là, que je vous explique vite fait le spawn. Comment ça marche lorsqu'on est en... Oh putain, ça va être la merde. On va prendre les masses plutôt. Quand on est en captain, c'est pas du tout le même système économique. Il n'y a pas de système de sous. C'est simplement, vous choisissez votre classe. Vous choisissez votre régiment. Et vous jouez avec pour le reste du round. Et donc à chaque fois que vous spawnez, vous avez votre personnage et vous avez vos troupes. Vous voyez les troupes qu'il y a derrière, ce sont mes troupes et je vais les commander. Chaque joueur a un petit régiment avec lui. Dans l'idée, il faut faire du team play, jouer ensemble et vous allez emporter la partie. Là, on a 3 archers sur une map pas du tout faite pour les archers. On est dans la merde. Hi team, let's... stay together. Together forever. Yeah. Non, pardon. J'ai très peur parce que là, ils ont pris full infanterie. Wait, don't push. Ah, on va se faire secouer. On va se faire gangbang. Elle a changé la map là, non? Non mais non, j'ai rien dit, elle a pas changé, elle est pareille, juste c'est la version neige, du coup je suis pas habitué. Feu à volonté les archers, feu à volonté. Hop là, et moi je leur donne l'angle. Je charge sur la gauche avec mon infanterie, comme ça les archers peuvent continuer de tirer. Je vais défendre les archers. Oh là c'est beau, j'aime la vie. Hop, mur de bouclier, reculez les gars. Mur de bouclier, reculez. Je donne un angle à mes alliés. Hop, reculez. Tant pis, moi j'ai fait aucun kill et j'ai juste servi de tampon, mais j'en suis très content, vous voyez. Si je vais regarder le score là, alors je sais pas ce qu'il faisait ce mec, il bougeait plus. Si je vais regarder le score là, je vais voir que mon score est dégueulasse. Ah non, je suis deuxième. Quoi? Comment ça se fait que je suis deuxième? Ok. Bah écoutez, je suis deuxième. Je suis très content. Ça me va, moi ça me va. Mais mon dieu, mais le... la méta a changé. Bon après ils ont mal joué en face, hein. Ils ont très mal joué. Mais là on avait full archer sur une map. Je n'ai jamais vu ça.
Le jeu, à partir du moment où on a un archer dans notre équipe et qu'on se fait full charger par de l'infanterie, sur cette map en général on perd instantanément. Là les mecs avec moi ils ont bien joué, ils ont donné les angles aux archers, les archers ont fait énormément de dégâts. Incroyable. Oh, je kiffe. Oh, j'ai kiffé, ça se voit ou pas? Regardez, j'y vais. Oh, c'était bon. C'était bon ça. Alors attendez, du coup... Non, je voulais prendre des haches. Ah, pourquoi on a deux cavaleries? Non mais ils se sentent plus pissés, ils se sentent plus pissés, la map est dégueulasse. Il faut pas faire ça sur cette map. Ah mais ça va, on n'a pas des joueurs expérimentés en face, donc ça va. On peut s'amuser. Parce qu'il y a des gens, ils viennent faire du multi, ils viennent pas pour s'amuser, du coup ils jouent la méta à fond et ils utilisent tous les exploits contre l'intelligence artificielle pour bugger l'intelligence artificielle, pour pas que les joueurs en face puissent utiliser leurs troupes comme il faut, machin. Mais là on est sur une partie où on s'amuse parce qu'il y a que des joueurs débutants et donc tout le monde joue avec la bonne ambiance. Mais c'est bien, je suis content. Je vais positionner mon infanterie pour qu'ils prennent le drapeau. Et donc, vous voyez, en fait, il y a trois drapeaux à capturer. Quand j'appuie sur Alt, ça les affiche, le point C, B et A. Chaque drapeau est capturable. Quand une équipe a plus de drapeaux capturés que l'équipe d'en face, eh bien, c'est très simple. Le moral de l'équipe adverse descend. Vous voyez, hop, ça, c'est la barre de morale au-dessus de moi, là. Les deux barres de morale, ce sont les étoiles. Et quand une des deux barres de morale arrive à zéro... Et eh ben, c'est la première équipe qui a sa barre de morale qui arrive à zéro a perdu en fait. Alors lui, je vais le laisser avoir un angle correct. Non mais il tire tes archers, connard! Non mais Nanashi! Nanashi, tire les archers! Ah, j'espère que c'est pas un viewer. Nanashi, tire les. Je vais essayer de lui donner un angle. Ah merde, nos alliés se sont fait défoncer, j'ai pas remarqué, désolé. Désolé les copains, je vous ai laissé mourir. Ah merde. Non mais on a beaucoup de cavaliers qui sont ailleurs, j'y crois. Non, je crois que j'ai fait un peu de la merde. Revenez les copains, revenez. Oh c'est la merde. C'est la maxi merde. Repliez-vous. Oh là, c'est mort, c'est perdu. Tant pis, on y va au combat. On y va, on s'amuse. Oh, ils sont beaucoup trop. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas aidé mes copains. Non, je pense que j'ai pas été bon. Ah, tous mes copains étaient déjà morts au moment où je me suis rendu compte du fight. J'étais concentré sur vous expliquer des trucs là. Je fais pas de teamplay, c'est terrible. J'ai mal joué, combattant. J'ai laissé mes potes faire les trucs tout seul, ou mourir tout seul. Et du coup décédé. Après c'est bizarre hein, parce qu'il y avait quand même 3 ennemis en face de moi qui ont pas fight. Donc les mecs ils étaient minimum en 3v3 ou 4v3 et ils ont perdu. Bon, y a pas que moi dans l'histoire. En analysant un peu plus, y a pas que moi. On a tous fait de la merde je pense. Et du coup voilà, je vous ai expliqué. Là vous voyez, nous on a 2 flags. Et du coup notre barre de morale augmente, la barre de morale ennemie descend. Et si notre barre de si la barre de morale ennemie arrive à 0, ils auront perdu, sauf s'ils tuent tout le monde dans notre équipe, ce qui vient d'arriver, et donc ils ont gagné le round. De la cavalerie en map de siège, pour Erlingan. Non, dans l'idée là, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme dans le film. Dans l'idée, on se fait empaler, et là ils se sont fait empaler les copains. Je vais bien garder les masses, hein. Dans l'idée, c'est... Non, on va prendre les haches, j'ai envie de jouer avec les haches, je sais pas pourquoi, ça me tente. C'est un peu l'équilibre, ouais. Si je tombe contre les armes à deux mains, en fait, ça sera un peu mieux d'avoir les haches que d'avoir... Que d'avoir les masses. Disons, les haches, c'est un petit peu le mix entre une épée et une masse. Une épée, ça sera le mieux contre un mec à poil. Une masse, ça sera le mieux contre un mec en armure. La hache, c'est un petit peu entre les deux et ça casse bien les boucliers. Hop, je vais placer mes troupes derrière ce petit, cette petite maison. Alors, stay together, go, hey.
Oh là. Vous voyez ces joueurs qui utilisent leur cavalerie, genre les mecs qui prennent un régiment de cavalerie, et en fait ils utilisent leur cavalerie juste... Ok, là on est 1v2, vas-y charge, poteau, vas-y charge. Charge, tu vas tout, tu vas bien jouer, vas-y. Oui. Oui. Je suis mort. Et là je spam F pour reprendre un personnage, voilà. Je regarde bien que mon personnage a assez de vie, le prochain. En faisant clic gauche et clic droit, je peux switcher de personnage pour sélectionner le bon, dans l'idée. Et là, paf. J'ai perdu la moitié de mes troupes. Mais on a gagné. Ah, dans l'idée, on a perdu beaucoup d'hommes alors qu'on était 1v2. Hein. Pas terrible, c'est pas terrible. Là, il leur reste... Ah, attendez. Paf. Stay. Stay together. Comme A. Là dans l'idée il faut qu'on se bloque contre des bâtiments et qu'on attende les cavaliers. Non mais c'est pas bon les gars, c'est pas bon. Non mais les javelots il va rien faire avec les javelots. Les troupes ne savent pas lancer des javelots. Là il peut pas s'en sortir, lui il peut pas s'en sortir. Il s'en est sorti. Je suis outré par ce mec qui a réussi à sortir d'un bloc de 40 ennemis. Je veux une lance, donnez-moi une lance. Donnez-moi une lance. J'ai raté. Bon ça va, on va finir par les avoir, ils sont plus que 4. Ok, une game un petit peu serrée à chaque fois. Enfin non, c'est pas ultra serré, mais à chaque fois il y a un match quoi. Il y a un match. Ouf. Bienvenue monsieur. Alors oui, là il faut pas oublier, il y a les TK dans ces modes de jeu, dans les modes Captain Skirmish. Moi j'ai tendance à oublier. On a aussi oublié ça. Bonsoir tous ceux qui arrivent sur le live, bienvenue. RTS caméra intégrée en multi? Non, bien sûr non. Ce n'est pas possible. Mais moi, ce sera un de mes challenges plus tard. Trouver quelqu'un qui veut bien m'aider à le faire ou que je le fasse par moi-même, d'intégrer le RTS caméra au multijoueur pour créer le mode de jeu dont je vous ai déjà parlé moult fois sur ce live. Voilà. Je bafouille beaucoup. Bon alors, on continue. Captain Fracas, premier de son équipe. Incroyable. Pas dégueu. Moi si ça me permet d'avoir plus de points, je vais pas dire non. Si ça me permet d'avoir plus de loot à la fin, j'avoue que bon, d'habitude j'en avais rien à foutre d'être premier au classement. Tant que je faisais gagner mon équipe, c'est bon. Mais maintenant qu'il y a les histoires de loot et que je peux m'acheter des petits si je peux m'acheter une petite tunique, hein, si je peux m'acheter une petite tunique, et ben j'achète la tunique et j'en serai content. Bon, tunique ou gambison, hein, vous avez compris. Hein. Un anachi, les javelots, là, dans les boucliers. Alors là, c'est le moment où on pourrait se dire, oh, je peux flanquer, regardez-moi, appelez-moi Napoléon. Sauf que si je me retrouve derrière eux et que j'attaque tout seul, ça va être terrible. Sauf que je vais faire ça. Et attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à m'insulter dans le chat? C'est votre moment. C'est votre moment de m'insulter. Alors j'ai essayé d'utiliser mon surnombre au maximum, mais bon, ils ont une meilleure armure et des meilleures troupes, donc là, ouais. En 1v1, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché de loin, je m'attendais pas à me faire autant défoncer. Mais visiblement, c'était pas le bon move. Ça n'a pas marché. J'aurais essayé. Gabs, merci beaucoup pour cet abonnement. Merci à toi. 11e mois d'abonnement, dont 9 consécutifs. Déjà. Je suis très content là, j'ai trouvé mon petit setup parfait pour le chat, je vous avoue.
Je commence à me faire un petit peu au nouveau placement des écrans. C'est très agréable de faire ce stream en votre compagnie. Merci Galéopsis pour le soutien. Voilà, là par exemple, là vous voyez, on s'est fait ouvrir. De toute évidence, hein. On s'est fait au niveau du... Enfin voilà quoi. En bonus de dégâts à pied contre les boucliers, robuste. Ouais. Et bah barbiche, c'est parti. Là on va prendre les gardes. Ce qui va être sympathique. Play with the archers, virgule, stay together. Together. Alors vous voyez que quand on appuie sur la touche pour... ah mais il y a le Khajiit, dans la game, il est en face de nous. Il est premier d'ailleurs, incroyable. Incroyable le Khajiit en face. Je ne donnerai pas l'information. Si tu m'entends, Khajiit, je ne donnerai pas l'information. C'est possible que ce soit la dernière manche et que tout se joue là-dessus. Mais je ne donnerai pas l'information. Oh là là, oh, ça pue la merde, de les attaquer dans cet endroit-là. Il faut surtout pas les prendre là au corps à corps parce que sinon... Aïe. Oh, c'est la merde. Oh, on va se faire défoncer. Ils ont des meilleures armures et on va pas utiliser notre avantage du nombre et tout. Oh là 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 là, c'est perdu. C'est sûr que c'est perdu. Bah bien sûr. Pire fight. Moi, je voulais juste les aggro, mais mon allié, il est parti. Il y allait, quoi. Il a vu Captain Fracas faire deux pas en avant, il a fait... Oh, ah putain non. Ah du coup j'ai suivi pour le soutenir quoi, j'avais pas le laisser tout seul mais là il fallait pas prendre ce fight. C'était terrible. Non mais là on l'a perdu, je me sens très mal. Je me sens mal. Et donc voilà, j'ai dit il faut jouer avec l'archer. Et on n'a pas du tout joué avec l'archer. Et l'archer se retrouve tout seul à la fin. Tout ce que je craignais en fait c'est réalisé. Tout ce dont j'avais peur est en fait devenu réalité. Non. Au moins on a le mérite de voir de belles images. Cours, petit bambin. Hein? Bon, on l'a perdu. Je le prends très bien. Oh, mais les mecs, oh, ils sont cons. Ils ont quitté avant. Du coup, ils vont pas avoir le loot. Ils ont quitté avant. Merde, j'ai... Non, j'ai pas vu combien j'avais gagné. Non, mais je veux l'info, là. Donne-moi l'info. Oh, j'ai pas vu mes sous. Parce que moi, j'adore l'argent, moi. J'ai pas vu combien j'ai gagné. Non, mais calmez-vous avec les invitations, là. Ce sera pour plus tard. À la fin de la soirée, j'ai dit. Pour quelle est la consanguinité? Mais qu'est-ce que ça fout dans le chat, ça? J'ai en bac, mais quel rapport? Voyons. Pour caler. Mais quoi caler? Non mais calmez-vous. Je suis plus chaud pour rejoindre. Plus tard. Combattant, on va... D'abord, je teste tout. L'expérience en solo. Et à la fin de la soirée, on part sur un truc où on joue tous ensemble. Maintenant qu'on a fait une partie de Captain, laissez-moi vous montrer l'escarmouche.
Ils sont les sous. Ils sont où les sous peut-être. Merci en tout cas à Zurig pour ces bits. Merci, merci pour le soutien. Comptoir commercial. Allez, le début du stream hack. Ah bah, on espère pas trop. Hein. Si vous rejoignez ma game par pur hasard, bien sûr, hein, genre Kajit. N'hésitez pas à couper le son. Comme ça, on, au moins on joue ensemble, y a pas de problème, mais. Mais bon, vous ne trichez pas, quoi. The Big Lebowski, merci, merci beaucoup. 401. Pourquoi 401 je vais réussir à me plaindre, je vais réussir à me plaindre, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est très étrange, 401. Merci beaucoup. Bon, alors du coup, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça marche en mode escarmouche. Mais avant, je bois un petit coup. Je suis en phase, je ne stream hack pas. Très bien, très bien. Bah, ceux qui sont aussi, ceux qui sont dans la game, là, je vois pas mal de pseudos qui sont dans le chat. N'hésitez pas à couper le son du stream. N'hésitez pas à rester, hein, ça fait plus de viewers. mais juste couper le son du stream, quoi. C'est mieux que 400, non? Absolument, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et même je me disais peut-être que c'est un chiffre, un nombre qui est important pour toi. Peut-être que c'est genre c'est 401, quoi. Mais très bien, si c'est juste comme ça, hein, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien de toute façon. Hop là. Là, c'est le travail d'équipe avant tout. Merde, je vous ai pas expliqué le système de spawn et tout. Je vous expliquerai ça à la prochaine manche. Mon dieu que j'y ai joué sur cette... Que j'y ai joué sur cette map. C'était la toute première map jouable pour les non-développeurs du jeu, quoi. Mountain Blade 2 Bannerlord, j'ai commencé à jouer sur cette map avant tout le monde dans l'idée. Avant tout le monde, non. En même temps, ceux qui ont accès à la bêta, quoi. La bêta avant la... C'est vrai qu'on peut faire ça en multi, là. Rally to me. C'est vrai qu'on peut faire des petits sons en multi et tout. J'ai oublié ça. Je disais oui. Lorsque je suis allé à la Gamescom en 2020. Avant la sortie du jeu, donc. Non, 2019. Oh, putain. Oh là, ça fait 3 ans. Oh là là, ça commence à dater. Oh là là. Oh là, je me sens pas bien, je vais... Oh, j'ai des remontées, j'ai des nausées, qu'est-ce qui se passe? Non, en vrai, en 2019, du coup, quand je suis allé à la Gamescom... Petit bâtard, hein. Quand je suis allé à la Gamescom en 2019, et que j'ai eu une clé bêta de Mountain Blade 2 Bannerlord, eh bien, la clé bêta nous donnait accès au multijoueur du jeu. Et le multijoueur du jeu, c'était quoi? C'était le mode skirmish. Que vous voyez là, le mode escarmouche. Non mais il va falloir se calmer là. Qu'est-ce qu'il nous fait le monsieur là? Okay. Je me suis fait spammer comme une pute. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'était ce mode de jeu là avec le mode escarmouche. Et c'est tout. Et j'ai lancé le jeu et il y avait que des pros dessus. Étant donné que je venais de revenir de la Gamescom et que tous les joueurs casual qui avaient juste eu une clé bêta en rentrant sur le stand comme ça parce qu'ils connaissaient pas le jeu, n'avaient pas encore lancé le jeu ou pas installé le jeu, quoi. Je ne jouais que contre des pros. Et je me faisais soulever en boucle. Comment vous dire que ce n'était pas très agréable? Ce n'était pas ce que je recherchais à la base. Et en fait, ça m'a appris à prendre mon mal en patience. Et apprendre à jouer au jeu. Parce que du coup, en jouant contre des pros, on essaie de calquer un petit peu leur façon de faire. Comment fait-on pour...
enfin essayer de gagner contre eux. Et à force, quand vous réussissez à gratter un kill contre un professionnel, vous vous dites putain ouais, un professionnel, je sais pas un professionnel, mais un joueur qui avait accès à la bêta avant tout le monde. Oui, parce que pourquoi il y avait que des pros? Parce que la bêta avait été donnée en accès aux anciens joueurs de Mountain Blade Warband. Et donc ils avaient la possibilité. Tiens, j'étais sûr qu'il allait faire une feinte. Ils avaient la possibilité de jouer avant tout le monde. Et donc ils étaient rodés au jeu. C'est pour ça qu'il y avait des pros. Ça va être compliqué là, il faut aller sur le drapeau, j'avais pas vu. Le drapeau. À force de parler, je me concentre pas sur la game. Putain de merde. Le drapeau, le flag. Putain. Oh non, et du coup, là j'aurais dû écho. J'ai pas économisé. Et voilà, à force de parler, je fais tout le temps de la merde en parlant. Tant pis. Voilà, c'était la petite anecdote de la bêta et de la première game que j'ai fait. T'étais un jeune innocent à l'époque, exactement. Puis j'ai appris la haine sur la bêta. Bref, c'est comme ça que j'ai chopé un petit niveau, disons. Même si mon niveau est loin d'être stratosphérique. Hein. Mais un niveau ok. Sinon, je sais plus ce que je disais avant. Oui, le système de sous. Là, vous voyez que j'ai pris une troupe qui coûte 100 de thunas. Et donc, lorsque je prends une troupe qui prend 100 de thunas, ça m'enlève 200. Et en fait, ben, je peux spawner autant de fois que de sous que j'ai. Donc si je prends 3 fois une troupe qui vaut 100, je vais pouvoir spawner 3 fois. Et dans l'idée, je peux économiser des sous pour avoir plus de 300 lors des prochains rounds. Désolé pour le TK, mais je voulais pas qu'il s'en aille. Oh, il s'est fait défoncer. Oh, Khajiit, c'était terrible. Il est pas venu au bon endroit. Il est pas venu au bon endroit au bon moment, Khajiit. Merci pour les abonnements, Khajiit. Et du coup, oui, lorsque vous gagnez votre manche et qu'il vous reste des sous, eh bien, vous pouvez économiser jusqu'à 80 d'argent, je crois. Et du coup, vous pouvez commencer une partie avec 380. Ce qui fait qu'une équipe qui gagne, à qui il reste des sous... Putain, mais lui... Oh la vache. Il m'a chamber. Qu'est-ce qui se passe? Il est aidé par la volonté divine, il a eu trop de la chatte. Alors, je vous avoue que c'est dur de se concentrer sur ce mode de jeu et de vous parler en même temps en vous donnant des petites anecdotes et tout. Je vais essayer de me concentrer, attendez. Bref, il y a moyen de gagner des sous jusqu'à 280. Et voilà. Je vous expliquerai la prochaine fois que je meurs. Prochain round. Oh le bâtard! Je me suis fait TK, putain! C'est un allié, il m'a mis de lance couché! J'ai perdu 200! Et donc là, je peux bien vous expliquer! Parce que je me suis fait baiser! Putain! Alors, c'est très simple. Je viens d'acheter une troupe hyper ultra chère qui vaut le prix de 2 soldats de base. Et donc, je ne peux spawn qu'une fois avec ce soldat ultra cher. Et au moment où je commence à engager le combat, j'ai un allié qui me tue. Voilà. Et donc, putain, mais la caméra! Caméra 1! Putain. Je vais devenir fou avec cette caméra qui bouge. Du coup, mais je vais devenir fou! Pourquoi elle bouge tout le temps? Elle bouge là? Je vais devenir fou. J'arrive! C'est bon ou pas? J'en ai marre! La caméra possédait! Bien sûr! Bien sûr qu'elle est possédée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, voilà. Est-ce qu'il faut kicker le mec qui m'a TK? Bien sûr. Parce que c'est lui qui. Pourquoi il y a un vote contre lui? Attendez, je sais pas. He doesn't play.
Bah non, il a fait 4 kills. Comment ça, il joue pas? J'ai pas vu. Désolé. Oui, kick le. Bon, allez, d'accord, j'accepte. J'accepte. Bon, vous voyez que du coup, là, j'ai que 300, ce qui fait que ça fait pas beaucoup d'argent. Tant pis. Bon, allez, je reprends une classe qui coûte cher parce que je crois en moi. Je crois en mes rêves. Et je vais réussir à faire des kills avec ma classe de cavalerie. J'ai entendu les mecs sur la gauche. Hein. J'ai mis un gros coup dans son cheval. Oh putain! Ils sont tous là en fait. Mais jamais les gens ils viennent là. Oh, tiens, bouffe ça. Oh le bâtard! Oh quoi? En tapant sur le côté de mon cheval, ça le fait cabrer depuis quand? D'habitude, c'est que sur le. C'est que sur le. Oh, je lui ai mis un nombre de dégâts là. D'habitude, ça fait cabrer que quand on frappe sur le devant du cheval, je suis pas fou. Il a une tête verte. Géant vert! Putain. Oh, il m'a claqué le cataphracte. Ok, il y a quand même moyen de revenir. Alors là, vous voyez que j'ai un peu plus de sous que ce que j'avais avant. Un peu plus de sous que sur la game d'avant, étant donné qu'en fait, on a un joueur en moins, et donc ça compense en nous donnant un peu plus de sous pour qu'on puisse spawn avec des meilleures unités, ce genre de choses. Et j'ai pas eu le temps de sélectionner mon équipement, je suis très content. Ça va spawn automatiquement. En tout cas, on a deux flags là, pas si mal. C'est le moment où s'il y a des mecs qui streamaient qui vont aller prendre un flag parce qu'ils se rendent compte que qu'ils ont pas de flag. Je suis dégueu. Oh non, derrière toi, camarade! Je suis là, mon pote, je suis là! C'est un pote, lui! Non, il a fait un coup du haut. Pourquoi je me croyais qu'il allait faire un coup du bas? Dans les burnas! Vas-y, aide-moi, camarade, aide-moi! Tiens, c'est bien ça! C'est beau ça, c'est beau. Vas-y, je le tiens, mets-lui des flèches. Je le tiens. Bien! Putain, il est bon lui. Oh, je l'aime, je suis amoureux. Je suis amoureux de ce boy. C'est mon boy archer. Nous sommes les deux dégueulasses. Oh là là, on va leur mettre un round. Oh, je suis sûr que la flèche, elle devait tomber sur l'ennemi, mais elle est tombée sur le poteau. Je suis sûr qu'elle est tombée sur... Je vais voir, je vais vérifier. Je m'en fous de la game, je vais vérifier. Regardez, ça devait lui tomber dans le dos, mais c'est tombé sur le poteau. Je la récupère, c'est ma flèche. Elle est quand même à moi. Elle est à moi, cette flèche. Elle m'appartient. Allez, on le défonce, là. Vous faites pas prendre un par un, les gars. De grâce. Voilà, hop. Je voulais m'acharner sur lui. Et voilà. Et quand on a le mec qui est AFK qui est pas là et qu'on a les sous en plus, ça marche tout de suite mieux. Quand on joue avec des vraies troupes. Et donc là, je sais pas avec quoi jouer. Oh ouais. Non. J'ai pas su faire un choix. J'ai pas su y arriver. Il m'a défoncé. En plus, il m'a niqué à 100 HP pile. Je suis vraiment très déçu. Néanmoins, on peut respawn avec un... Ok, bon.
C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Hein. Vraiment, je suis très peu fier. Farka fait des frag movies sur Bannerlord. Ah, écoutez, si ça vous plaît. Faire des frag movies, hein. Avec des effets du curfew et tout, hein. On va appeler Diablo Fraca. Diablo X9 Fraca. Non. Fraca X9, du coup. Le nouveau surnom. Mais quoi? Mais il a une lance plus longue que moi ou quoi? J'étais persuadé d'avoir lancé le coup avant. Oh, clippé de grâce, je veux avoir l'info. Clippé, comme ça je regarde et j'analyse pourquoi je suis mort. Vous clippez la chose. Vous l'envoyez dans l'onglet clip de Discord. Et un modérateur me le renvoie via le système de chat de modération. On fait ça ou pas? Allez, on fait ça. Je compte sur vous. J'aimerais bien analyser ce moment. Pourquoi je suis mort? Est-ce que c'est moi qui a mal visé? Est-ce que j'ai lancé mon tag trop tard? Est-ce que sa lance était plus longue? Je pense que c'est parce que sa lance était plus longue. Est-ce que j'ai fait une bonne analyse ou non? Je ne sais pas. Quelle heure il est? Parce qu'on a, plusieurs. On n'a pas que le fait de tester toutes les modes de jeu. Il y a aussi une autre partie du titre de cette vidéo. Bon, après, je pense qu'on va juste en parler, ça. Bref. De ce live, pardon, pas vidéo. Non, mais ça, c'est un mec de la nuit. C'est un mec de la nuit. Regarde-le avec sa capuche. C'est l'homme de la nuit. Tu as mal visé. Apparemment, j'ai mal visé. On me dit dans l'oreillette que j'ai mal visé. Oh, c'est trop bien. Je suis trop content du nouvel affichage que j'ai de mon chat. Là, c'est le turfu. C'est le turfu comparé à ce que j'avais avant. Je suis très content. Sachez-le. Hop. Que vous en ayez rien à foutre ou pas. Après, ça arrive, c'est pas grave. Ah non, mais justement, je dis pas le contraire. Mais je veux juste comprendre pourquoi je suis mort. Et je sais que c'est une erreur de moi. Je ne dis pas que c'est le jeu qui est mal fait ou quoi. Pas du tout. J'essaie juste de comprendre. Pour ne pas refaire l'erreur ou pour mieux faire plus tard. Ça y est, on est en plein écran sur le mur. Hein? J'ai pas compris. Bon, on l'a perdu, hein. Dommage. Ah oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. C'est l'idée. Là, il y a un mur immense. Vous êtes affiché dessus. Non, vous avez un écran dédié au chat, en gros. Il n'y a qu'une toute petite partie de l'écran chat que j'ai dédié au modérateur, comme ça... J'ai le gros chat énorme pour vous et une petite partie dédiée au modérateur, alors qu'avant il n'y avait pas de chat de modérateur et la partie chat était vraiment, je dirais, 2 à 3 fois plus petite que ce que j'ai maintenant. Donc je vois bien vos messages et tout, c'est assez agréable. Donc voilà, vous avez vu le mode captain, le mode escarmouche. En début de live, on a fait le mode match à mort. Il nous reste le mode siège à tester et le mode duel. Mode duel que l'on verra peut-être ce soir. Je suis même pas sûr de le faire ce soir étant donné que c'est ce qu'on a le plus fait dernièrement en live. Je suis pas trop... Puis le mode duel, bon... bof. Pour l'instant, j'ai envie plus du fun instantané, donc allons directement en siège. Hop. Où est le serveur siège? Il est là. Allons-y. Salut Tony, bienvenue sur le live. Voilà, cher modérateur, êtes-vous là? Est-ce que quelqu'un a envoyé le clip là? J'aurais bien aimé regarder. Oh, je suis déçu, combattant, personne n'a fait le clip. Personne n'a fait de clip. Je suis outré. Mais j'accepte. Hop, on va aller faire notre petit shopping sur le champ de bataille là. On est qu'on prend un petit paysan. Je sais pas combien de sous je suis. Alors, si je pouvais acheter le gambison ce soir, ça serait incroyable. Mais je pense qu'on en est très loin encore.
Le gambison de paysan. J'ai jamais fait de clip des eaux. Pour clipper, c'est en bas à droite. Je vais vous montrer maintenant, regardez. Regardez, je vous montre. Non, c'est pas ça. Hop. Regardez ça. Comment on fait pour clipper un live? D'abord, vous allez sur le live de ce connard. Hein. Je sais même pas pourquoi vous seriez sur ce live, ça n'a aucun intérêt. Mais, si vous y êtes quand même, vous avez un petit bouton qui est marqué clip en bas à droite en fait, quand vous passez votre souris, vous pouvez faire clip. Lorsque vous faites clip, ça va vous prendre les 60, les deux dernières minutes disons. Ouais, les trois dernières minutes du live, et vous pouvez les redécouper comme ça. Ah non, 1 minute 30. Ça va vous prendre les 1 minute 30, les dernières 1 minute 30 du live. Vous pouvez les redécouper comme ça, prendre la bonne section, lui donner un nom et faire publier. Et une fois que vous avez fait publier, vous allez tout simplement pouvoir avoir un lien que vous allez pouvoir partager. Et comme vous ne pouvez pas envoyer de lien sur le chat, bah il faut le faire passer par Discord. Voilà, dans l'idée. Alors je jette ça, je prends ce petit bouclier et je prends cette petite épée. Et c'est formidable. Je me suis trompé, je voulais balancer les flèches. Je voulais balancer les flèches. Voilà. Ok. Le point A est capturé. Alors voilà. Maintenant qu'on est en siège, laissez-moi vous expliquer. C'est comme le match à mort au niveau de comment on fait pour acheter des troupes. Savoir lesquelles on veut jouer et tout. Donc c'est comme un match à mort. Donc j'ai des sous que je vais gagner en fonction des kills que je vais faire et des objectifs que je vais prendre et réaliser. Mais du coup, en plus de ça, quand j'appuie sur Alt, vous voyez qu'il y a plein de points à capturer. Et donc le but va être de prendre tous ces points. Et comme dans les autres modes que je vous ai montré juste avant, le but va être aussi de faire tomber la barre de morale de l'autre équipe à zéro. Sauf que là, les défenseurs ont une barre de morale qui est au maximum. Et les attaquants... Oh, je peux lui lancer un caillou dans la gueule, lui. J'ai raté le caillou. Quel dommage. Viens là! Voilà! Il voulait nous bloquer dans la salle! Petit coup dans la gueule. Je vais sauter ici. Et du coup, oui. Les défenseurs ont un moral illimité. Sauf jusqu'au moment où les joueurs attaquants prennent le point de capture G. Et là, les défenseurs sont vraiment en train de faire de la merde parce que tous les points de capture sont en train d'être pris. C'est affreux. Mais du coup, quand le point G est pris, vous pouvez voir que le moral des défenseurs, donc en jaune, est en train de descendre. Et lorsqu'il atteindra 0, on aura gagné en tant qu'attaquant. Dans l'idée. Sauf que vous me direz, mais pourquoi vous n'allez pas directement prendre le point G? Avant de passer par... Enfin, et vous pouvez emmerder à prendre tous les points avant, quoi. Ce qu'on n'est pas forcément en train de faire là, on est en train de prendre tous les points en même temps. Mais bon, c'est bien pour nous, quoi. Mais dans l'idée, il faut prendre point par point pour avancer notre point de spawn, en fait. Lorsque l'on n'a aucun point de capture qui est pris, en tant qu'attaquant, on spawn très loin de la forteresse. On spawn dans notre camp, presque. Dans l'idée, ça dépend des maps, des fois il n'y a pas de camp, mais vous voyez l'idée. On spawn dans notre camp d'assiégeants. Et lorsqu'on prend par exemple la moitié des points, et ben on va plus spawner au niveau du camp, mais on va spawner au niveau des murailles de la forteresse. Et si on arrive à prendre tous les points sauf le point G, et ben on va carrément spawn dans la forteresse et on pourra directement aller attaquer le point G en ayant beaucoup moins de distance à parcourir. Donc voilà l'intérêt de pourquoi on doit prendre les autres flags. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on prend un flag, un drapeau, ça nous refait remonter notre morale. Et donc le moral des assaillants, lui, descend en continu jusqu'à zéro. Tant qu'ils ne prennent pas de drapeau, et ben ça descend. Et Oh, le petit bête. Oh, j'ai pris un sale caillou. Oh, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. On l'a vu tomber doucement sur ma tronche. C'était terrible. Oh, je me sens mal. C'est clippé, Captain. Ça, là? Oh, bah, merde. Ah non, c'est... Ah ouais, d'accord, il y a vraiment le clip de...
de ce que je demandais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vulvix. Merci à toi. Je regarde ça jusqu'à quand je suis décédé, là. Je regarde ça. Merci beaucoup. Peut-être à la fin de la game, plutôt. Dès qu'on arrive proche de la fin de la game. Je vais aller me venger, hein. Je vais aller prendre la position où il y a les méchants qui m'ont envoyé un caillou. Merci d'avoir fait le clip, du coup. C'est gentil. Lui. Il passe par où? Il s'est pris pour un tout-terrain? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais regardez-le faire! Regardez-le! Il a l'impression d'avoir le droit de faire ça! Alors lui, vas-y, commence à monter les escaliers, toi. Raté. On défend le flag. Le flag, il est juste en haut des escaliers, là. Il faut les empêcher de monter sur les escaliers. Et d'aller sous le drapeau. Il leur reste plus qu'une étoile et c'est gagné. Oh, ils se sont fait défoncer. C'est terrible. Alors. Si je prends le... Alors, attendez. Vous voyez, là, je peux voter pour la map. Plutôt voter pour celle-là, moi. Après, je vais voter pour les Vlandiens. J'ai envie de jouer Vlandiens. Paf. Et sinon, on regarde le clip. 0,25. Pour bien analyser. Alors, du coup, j'ai une lance plus lourde, mais moins longue. Et je pense que du coup... Et je vise mal, tout simplement. Enfin, je crois que ma lance est moins... Et moins... Est plus longue que ce que je pensais. Là, je pensais que j'allais toucher alors qu'il me manque peut-être un bon 30 cm quand même. Ah, c'est juste que je rate mon coup et que je le lance trop tôt. Ok. Bah, merci beaucoup pour le petit clip, maintenant je sais. C'est vraiment que la lance était beaucoup plus courte que ce que je pensais. On sous-estime souvent sa lance. Merci beaucoup. Merci pour l'info, merci. Ah ouais, une petite game en sturgien, ça va être top. Ah par contre, ouais, mon... Il y a un peu flingué mon logo. Mon logo cœur, il va peut-être voir que je le change. Fait chier, je l'ai payé pourtant. Il est payé pour la blague, mais c'était plus pour la blague qu'autre chose, quoi. Ça casse un petit peu le côté épique. Ils ont changé les boucliers, dis donc. C'est plus les mêmes. Ils étaient pas comme ça avant, les boucliers. Boucliers sturgeons, les boucliers de recrues, du moins. Ça fait plaisir. Ça y est, ça perçoit des blagues de lance, là. Tu leur donnes ça aux combattants, ils prennent ça. Voilà, voilà. Hop. Va-t'en. Démon vlandien. Pauvre dame qui a pris cher. Elle est jolie, cette map de nuit, hein, regardez. Oh, est-ce que je peux faire ça? Attendez. Ça serait incroyable. Non, on peut pas enlever le... Oh, j'aurais tellement aimé pouvoir enlever l'affichage quand on est en multijoueur. Enlever l'HUD. Est-ce que vous voyez l'option ou pas? Activer le visuel des dégâts subis, l'indicateur, les icônes d'alerte. Attention. Activer les noms génériques. Ah, c'est marrant ça.
Ah, c'est marrant. Je joue qu'avec des bottes. Ça peut être pas mal ça pour quelques événements, pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent les malins dans l'idée. Ah bah bien, bien. Bien Tailwords, ils mettent une option pour cacher tous les pseudos des gens. Et quand t'appuies sur Alt dans la game, qu'est-ce que tu vois? Les pseudos des gens. Ah non, ça y est, quand tu respawn, ça le fait plus. J'ai rien dit. On va rentrer en mode cinématique pour la toute pour le début là. Oh là, les balistes. Courez. Putain, elle est jolie la map de nuit, j'aime bien. C'est trop bien de se répondre comme ça dans le truc. Regardez ça. C'est pas beau ça? Oh putain la salope. Oh la sale bête qui envoie des cailloux. Faut juste espérer qu'il nous en envoie pas un autre. Allez c'est bon, on rentre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez pourquoi je joue à Bannerlord? C'est pour ça que je joue à Bannerlord. Continue, on s'en fout du mec. On pénètre dans la forteresse, poussez avec le bouclier là. Faut avancer. Oh là là, c'est sympa quand même hein. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, dis donc. Ça me fait bien plaisir. Oh là, le chevalier qui prend tarif. Tuez le roi. Il essayait de s'échapper par les tunnels. Je trouve qu'il avait vraiment un style de roi de Age of Empires 2. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Oh là, c'est beau tous ces joueurs qui vont au même endroit là. Poussez, on y va. J'ai essayé de mettre un... Ah non, j'ai essayé de mettre un coup de pied, j'ai pas réussi. Non. Oh, c'était pas mal ce petit push dans la forteresse avec les mecs qui essayaient de défendre moi. Dans les petits couloirs et tout. La question est-ce que ce glitch rush toujours le dernier flag? Quel glitch? J'ai pas compris. Ah, dans le chat par contre là ça affiche bien les pseudos des joueurs hein, classiques. D'ailleurs je voulais pas la garder cette option. C'était en bas je crois. Non, j'ai pris une flèche dégueulasse. J'aurais pu me caler contre un mur avant de commencer à m'arrêter, c'est un peu dommage. Effectivement, il faut respawn pour voir le nom des joueurs, du coup. Ah, je vais finir aussi de tabasser l'objectif. Moi, j'avance jusqu'à la porte. Hein. J'ouvre la porte. Hein. Je laisse pénétrer les potes. Non! Ma souris qui fait nimp. Oh oui, j'ai réussi à faire. Oh oui, j'ai des potes qui sont rentrés du coup. Oh yes. Oh, je suis trop fier de moi. J'étais en galère et tout. Face à un mec avec plus de vie et avec une arme un peu imposante. J'ouvre la porte et il y a toute une vague d'alliés qui sortent de la porte. C'est plutôt pas mal ça. Oh là là, j'ai vraiment hâte des serveurs privés sur Bannerlord, je vous avoue. Quand on va pouvoir faire des événements et tout sur jeu, ça va être incroyable. Rien que là, jouer sur le multijoueur de base, c'est vraiment cool, je surkiffe. Alors, les événements.
Aïe aïe aïe, j'ai mal joué. Hein. Vous avez entendu? Il y a un nombre de trucs qui se sont pétés d'un coup. On dirait que la forteresse entière elle s'est cassée la gueule. I have a dream. Comme ça. I have a dream that one day we will have the private servers for ourselves so that we can create amazing events to play together and love each other. Je sais pas. I have a dream. Allez, on y va. Arrête les conneries. Effectivement, il y a des joueurs qui vont jusqu'au point. En gros, depuis la sortie des sièges et jusqu'à il y a quelques mois, il y a toujours des joueurs qui arrivent à glitch à travers la map et à atteindre et capturer le flag dès les premières minutes du siège. Ce qui fait que la game finit vite. Du coup, je me demandais si c'était toujours le cas. Alors, j'ai jamais vu des gens glitch, moi, mais peut-être qu'il y avait des glitch, effectivement. Hein. Mais j'ai jamais vu de glitch, moi, et à chaque fois qu'il y avait des points capturés G, c'est vraiment l'inattention des défenseurs qui laissaient passer les défenseurs, les attaquants, quoi. Parce que oui, il est toujours possible d'aller prendre le point G s'il y a aucun défenseur. Pardon, aucun défenseur dessus. Mais j'imagine que tu me parles pas de ça. Le mec America Great Again, mon dieu. Arrêtez. On vous donne ça, vous prenez ça, arrêtez. J'ai parlé une fois de pénis, ça y est, ça part dans des discussions de cul. Une fois un peu politique, ça y est. Arrêtez. Merde. Oh bah j'ai fait aucun dégât. Oh, il a pris le caillou sur le coin de la gueule, lui il a rien senti. Ça a rebondi tout doucement quoi. Par contre ça a fait un bruit immense. Événement du style la défense du ministère avec les combattants. Et absolument Azuri. Azuri GFR, l'idée c'est de faire exactement la même chose sur Bannerlord. Voire même mieux. Enfin. Sûr, si on fait exactement la même chose sur Bannerlord, ça sera déjà incroyable. Mais dans l'idée, moi j'aimerais développer encore plus ce truc. Moi j'aimerais faire un truc où, là vous voyez, il y a les défenseurs, c'est des joueurs. Toute l'équipe des défenseurs, c'est des joueurs. Et faire que dans l'équipe adverse, il y ait un seul joueur qui commande une armée de bots. Et avec, comme dans le mode RTS caméra que j'utilise dans le solo, il peut commander l'armée de bots du dessus et envoyer ses troupes là où il veut. Et attaquer tous les points faibles de la forteresse, faire des stratégies où il envoie toutes ses troupes en même temps, faire des baits en envoyant un petit régiment à un endroit en faisant croire que ça va être tout l'assaut qui va arriver par là, mais en fait non, il fait flanquer le reste de son armée par derrière et tous les joueurs le voient pas forcément, vous voyez. Ça serait comme un mode full invasion, mais en fait ça serait un joueur qui commanderait toute l'armée ennemie, et du coup, toute l'armée ennemie ne serait pas débile en gros. Elle serait intelligente, et plus le joueur c'est un maître du commandement des troupes, plus l'armée va être intelligente parce que tu peux faire de la micro-gestion. Un joueur, imaginons un joueur incroyablement fort sur la gestion des troupes. Et bah il pourrait faire plein de petits groupes et tous ces petits groupes leur donner plein d'ordres en mode pour micro-gérer, pour aller chercher un mec qui serait en train de se bloquer contre un mur, qui serait en train de s'écarter un petit peu du groupe de troupes, vous voyez. Après je pars vraiment très très loin et un mec qui aurait des milliers d'heures avec ça quoi. Mais dans l'idée, tu donnes le commandement de toute l'armée à un joueur, il n'y aurait pas de truc où il y aurait un joueur qui tournerait autour, enfin en cercle avec son cheval, vous voyez, et il aurait tous les bots qui le suivraient et qui tourneraient en rond, vous voyez, comme dans n'importe quel mode de jeu où il y a des zombies qui vous courent après. Et bah là c'est possible de faire ça dans Full Invasion sur Warband. Tu prends un cheval, tu aggro 90% des ennemis. Et tu tournes en rond et ils vont te suivre à l'infini. Et après tu utilises un arc où les autres joueurs utilisent des armes à distance, où ils en aggro quelques-uns et ils les tuent. Et ben s'il y a un joueur qui commande l'armée ennemie, ben, c'est pas possible ça. Le joueur de l'armée ennemie, il prend sa masse d'unités, il fait une grande ligne et il avance sur le mec. Et dans l'idée, bon, faut pas que la map ce soit une grande plaine évidemment.
Mais dans l'idée, ben, le joueur, il est baisé. Il est obligé de se... Sa seule stratégie viable, c'est pas utiliser la connerie de l'IA pour gagner. C'est faire une tactique de défense qui marche. Avec une défense de la porte. Faire un beau shield wall avec ses alliés pour contrer les tirs de flèches ennemies. Ce genre de choses. Et en plus, non mais ça y est, je rêve. Enfin, je rêve, mais ça arrivera un jour, c'est sûr. Moi, je donnerais tout pour que ce mode de jeu arrive. Tout. Je contracterai des gens, j'essaierai de le faire moi-même. Je ferai tout. Bref. Et plus vous me donnez de la puissance, plus ça arrivera vite au moment où il y aura les serveurs privés. Créons une communauté forte, on va faire des dingueries ensemble. La partie c'est terminé. Mais avec ce mode de jeu, il y a la possibilité que... Comme je vous ai expliqué dans le dernier tuto que j'ai enregistré la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le tuto de siège, avec l'ordre F2, F8, on peut disperser nos troupes et dire à nos troupes, eh bien, je veux que vous allez vous positionner sur les emplacements mis par les développeurs, celui qui a développé la map au préalable. Et dans ces emplacements, bah, par exemple, on peut demander à tout un régiment d'infanterie et d'archers, par exemple, de se mettre dans une maison et que tous les archers se mettent aux fenêtres de la maison, vous voyez. Juste en faisant deux touches, donc le mec qui commande son armée, par exemple, il est en train de prendre d'assaut le gouffre de Helm. Tous les joueurs décident d'aller défendre le mur. Le joueur qui commande l'armée de bot, il arrive à prendre le gouffre, mais pas le mur. Le mur en plus bas qui se fait exploser dans le film du gouffre, dans le film avec le Seigneur des Anneaux. Il arrive à prendre le gouffre de Helm, et bah, en appuyant sur une touche et en mettant son régiment au milieu du gouffre de Helm, il peut avoir tous ses archers, le joueur qui commande l'armée, qui vont se positionner sur le tour du gouffre de Helm pour pilonner les mecs qui sont en dessous. Ça va faire des dingueries incroyables, j'ai trop hâte. Oh là là. Oh, oh, j'ai joué 4 fois. Oh là là. Oh là là, I feel you, voilà. Ce serait incroyable, ah, trop bien, j'approuve. Bah, évidemment que vous approuvez. Merci à Zurich pour les 100 bits. Incroyable. Mais bien sûr, non mais ça serait un truc de fou. Et vous voulez aller plus loin? On va plus loin, on peut imaginer un serveur où il y a 4 streamers, non juste, non allez, 9 streamers, où ça peut être des joueurs lambda qui se sont loués un petit serveur pour s'amuser, qui incarnent les 9 compagnons de la communauté de l'anneau, hein, pour ceux qui aiment bien le Seigneur des Anneaux. Désolé pour ceux qui connaissent pas du tout le Seigneur des Anneaux, là je parle que du Seigneur des Anneaux, mais je trouve que c'est la meilleure application du truc. Parce que ça nous remet tout de suite dans les trucs un peu épiques du Seigneur des Anneaux et tout. Et ben, il y a 9 joueurs qui incarnent la communauté de l'anneau. Gandalf, Aragorn, Legolas, Frodon, Sam, Gamli, mon cul, voilà. Ils incarnent ces personnages. Et ils spawnent sur une map de la Moria. Et en phase 2, il y a un joueur qui commande. Alors, il faut bien équilibrer la chose et tout. Mais qui commande les IA de la map et qui à certains intervalles peut faire spawner des troupes un petit peu comme dans Left 4 Dead, si vous voyez. Left 4 Dead, il y a des vagues qui spawnent si vous restez à un endroit et tout. Bah, dans l'idée, le mec contrôlerait ces vagues qui spawnent, il peut les faire spawner à des points où il veut sur la map de la Moria en fonction de si les joueurs ils sont là, et il peut tendre des embuscades aux joueurs et les joueurs, eux, ils ont la mission de traverser la Moria jusqu'au bout. Et tout ça, ça serait contrôlé par un genre de maître du jeu, vous voyez, ceux qui font des jeux de table un petit peu RPG de table là, je sais pas les noms. Je fais référence à un truc et c'est dégueulasse, genre Table Quest, ce genre de choses. Bah là, ce serait juste un maître du jeu qui contrôle les armées au-dessus et tout. Bah là, ce serait peut-être pas des armées comme il y a que 9 joueurs dans une équipe, mais vous voyez le truc quoi. Bon, pour l'instant, on est sur un mode siège de Mountain Blade 2 Bannerlord. On verra plus tard. Jeu de rôle, oui, voilà, un petit jeu de rôle papier. C'est exactement ça que je cherchais. Merci. JDR, jeu de rôle. Merci. On va faire péter le mur du gouffre. Exactement. Je suis en attaque ou en défense? Je suis en attaque. Vous voyez, pour l'instant, je vais juste prendre un petit gars sympa.
Paf. Un petit gars sympa avec un bouclier et une épée, oui. Qui coûte pas trop cher. Comme ça, je peux l'envoyer à la mort en poussant une arme de siège, en prenant d'assaut une échelle en premier, tout ça. Et après, seulement, je pourrais spawner avec ma troupe qui coûte cher. Parce que là, il est fort probable que je prenne une flèche dans le coin de la gueule et que je ne puisse pas... enfin, que je fasse aucun kill et donc que je ne gagne pas de sous pour me racheter une troupe meilleure. Donc au début, je prends une recrue alors que je peux m'acheter mieux. Et je prendrai ma troupe meilleure après. Donc j'économise des sous pour la suite. Truc de nerd là. Non, non, je dis pas ça moi. Non, non, juste que c'est un truc que moi je fais pas. Donc j'ai pas forcément tous les mots de vocabulaire et tout, mais je suis sûr que c'est incroyable. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais prendre un truc dégueulasse. J'ai pris un truc dégueulasse. Et maintenant que le mur à droite est détruit, là je prends la bonne classe. Je vais me prendre une lance, paf. On y va. Enfin, vous voyez, 2022, ça s'annonce bien pour Bannerland, quoi. Faut juste qu'ils sortent les serveurs privés. Ah, c'est la grosse fonctionnalité que j'attends maintenant. Hein. Les serveurs privés. Fracas, des nouvelles infos sur le mode groupe de l'MSTP. Bah, les infos, c'est qu'on est deux à travailler dessus, que moi j'ai pas du tout le temps et que l'autre personne essaye d'y passer du temps, mais c'est compliqué aussi, quoi. Et malheureusement, bah, on n'est pas si loin du but, mais on est deux et juste. Allez, pour tout vous dire, je pense qu'il faudrait passer peut-être 3-4 jours dessus et puis on arrive à sortir le truc, quoi. Juste, on a passé 3-4 jours. Et c'est réparti en une demi-heure par là, une demi-heure par-ci. Sauf qu'une demi-heure par là, une demi-heure par-ci, répartie sur plusieurs semaines, bah, ça prend des mois, quoi. Malheureusement. Ah ! J'ai fait de la merde. Je voulais pas monter sur cette échelle, et puis j'ai vu qu'ils arrivaient pas à me frapper, du coup, je me suis dit, allez, on monte jusqu'en haut, tant pis. Et c'était trop tard. Je suis mort. Qui donne un peu plus d'accès aux modeurs. Ah, les modeurs, ils ont accès à tout, là. Juste, en fait, c'est pas... Quand les modeurs font un truc dans le jeu, la semaine d'après, il y a une mise à jour et ça casse tout. Et il faut tout mettre à jour. Du coup, c'est un enfer pour modder sur Bannerland, en fait. Du coup, les trucs les plus importants pour les modeurs qui doivent sortir, là, c'est surtout la version stable du jeu sur laquelle ils peuvent avoir des bonnes bases pour travailler dessus. Et que la semaine d'après, ils ont fait tout un système de... Je sais pas moi, de boules magiques pour le mode... Warhammer par exemple, et bah il va pas être pété du jour au lendemain par un code qui a été complètement retiré et changé par un nouveau code sur le jeu, vous voyez, dans l'idée. Je sais pas si c'est arrivé comme ça pour les modeurs du mode Warhammer. Je pense pas que ce soit arrivé exactement comme ça, mais c'est juste pour vous résumer l'idée. Et moi par exemple, bah le mode il serait sorti depuis un moment si on était resté sur la même version du jeu, le mode Gouffre de Haine. C'est vraiment le seul truc qui nous bloque. Hein. C'est que à chaque fois que le jeu est amélioré, bah, y a des nouveaux trucs qui marchent pour les sièges et tout, et nous on aimerait jouer avec cette nouvelle version, sauf que du coup, la moitié des choses qu'on a fait, on doit toutes les refaire ou les changer pour que ça convienne au nouveau jeu Bannerland. Et sinon ça marche pas en fait. Le jeu crash parce qu'on essaie d'utiliser des lignes de code du jeu qui sont plus là et qui ont été remplacées par des nouvelles. Donc ouais, c'est un enfer de modder tout de suite. Mais je crois que les modeurs ont tous les outils maintenant pour modder. Au moins le solo. Le multi, non, ils ont pas les outils. Mais qu'est-ce que c'est que ça là. Ah. T'imagines le mec, il est encore en vie. Maman. Sortez-moi de là. Ah, il descend peu à peu, non? Bon courage, camarade. Salut, Dizzy. Frappez la porte. Oh, mais je suis con, pourquoi je frappe avec mon épée, moi? Frappez. Encore. Encore, frappez. Mais arrête,
C'est Mogos, frappe! Tu lis ce truc, bordel! Je referme pour frapper, moi. Il faut détruire la porte. Mais il faut détruire la porte! Fermez-moi cette porte, bordel! Voilà, camarade, aide-moi, aidons-nous! Frappons! C'est quoi le langage utilisé pour le modding principalement? C'est le C++. Enfin. Le code du jeu est en C++, mais toi tu me parles de JSON. Et en fait, non, c'est pas du JSON, c'est des XML. C'est des fichiers qui ont pour but de faire la même chose. Stocker les données, les valeurs d'une arme, tout ça. Et bah c'est fait via des XML et pas des JSON. JSON. C'est fou parce que j'en ai utilisé pendant mon développement, mais je sais que à chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, il me disait mais tu parles de quoi? Parce que je le prononçais mal en fait. Donc Jason, il me semble. Je crois qu'ils disaient les Jason, moi. Je crois qu'ils disaient un truc comme ça. Je disais les Jason, les fichiers Jason. Mais bien sûr. Voyons. Y a pas de Jason dans la boîte. De qui tu parles? C'est qui Jason? Tu crois dans un film américain? Qu'est-ce que... Y'a pas moyen de taunter avec les cris là? Enemies are on the move. Oh, il m'a claqué! Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Hein? On continue comme ça. Hein. Bon, continuons. Merci beaucoup pour les follow et des abonnements. Vous êtes très généreux ce soir. Écoutez, moi, ça me fait très plaisir de faire un petit peu de multijoueur sur Bannerlord, même si je sais que peut-être que ça plaît un peu moins ou quoi. Mais moi j'adore le jeu. Et vraiment, on arrive sur un jeu avec un... Voilà, il commence à être bien là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu aucun crash depuis le début de la soirée. Pourtant, on en a fait quelques petites games là. D'habitude, en siège, il y a quelques mois, tu lançais une partie de siège, t'es arrivé jamais à la terminer. Là, ça marche. Et pour l'instant, on est sur des serveurs à 120 joueurs. Est-ce que ça changera? Je sais pas. Lorsqu'on était sur la bêta du jeu, Tailwars a fait des tests avec 200 joueurs. Moi j'ai déjà joué sur des serveurs avec 200 joueurs sur Bannerlord et c'était un bordel. C'était un bordel, ça laguait. Qu'est-ce que ça laguait? Mais qu'est-ce que c'était bon. Genre, tu voyais 200 joueurs se battre là, ça faisait des champs de bataille immenses. Avec, immense, non, ceux du solo sont plus grands, mais c'était moins impressionnant parce que quand tu vois les joueurs avec leur comportement de joueur, genre, tu leur tires une flèche, ils vont commencer à paniquer, tu arrives en fight, tu vois qu'ils vont être, ils vont faire quelques pas en arrière ou de côté avant d'avancer sur toi pour te combattre. Tu peux les prendre par derrière sans qu'ils aient un GPS dans la tête qui leur dit, une fois que j'ai tué cet ennemi, ah, il y en a un juste derrière moi à 180 degrés qui est pas dans mon champ de vision. Et du coup, ouais, en 200 joueurs en multi, c'était assez impressionnant et cool à voir. Mais ça full laguait. Et voilà quoi, c'était juste un test qu'ils ont fait à l'époque. Néanmoins, j'espère de tout cœur que les serveurs auront au moins 200 joueurs sur le jeu à la sortie. Parce que, bon, ça ferait mal. Ça ferait mal parce que bah, y a le jeu War of Rights qui arrive à faire 300 et 400 joueurs sur ces serveurs. Alors certes, il y a moins de mouvements, il y a moins de physique, il y a moins de mouvements à enregistrer que sur Bannerlord, donc à mon avis, ce sera pas possible d'arriver à 400 joueurs sur Bannerlord. Même si c'est mon rêve. Hein. On croise les doigts.
Même si j'y crois pas. Va-t'en, va-t'en, sale bête. Tiens, on va aller bloquer l'escalier. Hein. Oh là, ils sont tous là. Alors, je suis plutôt assez confiant pour mes arrières, là, étant donné que tous ceux qui sont déjà passés. Ah, merci les copains. Ah, ils ont bien joué, mes potes, là. Je me suis fait... Je suis mort quand même, mais... Ils ont bien réussi à bloquer alors qu'on était en sous-nombre. Vous voyez ça, là. Ça, c'est beau comme gameplay, c'est beau. Ça n'arrive jamais, ce genre de truc, en solo avec que des bots. Moxine, bienvenue. Bienvenue sur le live. En tout cas, les attaquants ne font que gagner, là. En même temps, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a... L'essentiel des joueurs avec du gros niveau, ils sont dans l'équipe attaquant. Ah, ça y est, le serveur s'arrête. Même si... Bon. Ça ne dérange pas plus que ça, parce que ça ne fait que nous ramener au menu. Pour l'instant, expérience extrêmement smooth, ça fait plaisir. Vraiment, je ne m'attendais pas, à ça. Je pensais vraiment avoir beaucoup plus de crash. Et donc là, il y a du loot. Il y a moyen de farmer pour avoir de l'équipement. Il y a un système d'XP bien en place. Le jeu est à peu près équilibré, c'est cool. Chers combattants, je vous avoue que le multi me plaît beaucoup. Beaucoup. On va peut-être en faire plus souvent. Peut-être en faire plus souvent, là, j'aime beaucoup. Et il faut se préparer pour les ranked. Quand il y aura les ranked, ça va être cool. Ah bon ? Alors, cher modo, évitez les messages hors live qui ne correspondent pas au live. Mais très bien, je regarderai. Hey, Fraka, j'ai peut-être un mode pour toi, pour ta première chaîne Aventure 1.7. Azurik, vas-y, parle-moi-en. Faisons une petite pause, là, discutons un peu. Petite pause, et on continue après. Augmenter un peu le son du jeu, la petite musique. Cette musique de multijoueur, combien de fois, combien d'heures je l'ai entendue pendant la bêta? Combien de temps elle a tourné dans mes oreilles? Combien de temps? Je découvre le jeu, il est super. À quoi servent les niveaux en multi? Les niveaux en multi, c'est simplement pour faire le kéké. Ça ne sert à rien d'autre pour l'instant. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Voilà, Allons voir Max, par exemple, regardez. Je clique sur le merde. Sur Max, et je ne peux pas voir son niveau. Je peux pas voir son niveau, donc je peux pas vous dire. Écoutez. Je peux voir les statistiques dans les différents modes de jeu. Un petit peu ranked dans l'idée, même s'ils n'ont pas, ils sont pas ranked pour l'instant. Mais le niveau, c'est simplement pour faire le kéké avec soi-même, je pense. Peut-être qu'il y aura un intérêt plus tard. Hein. Peut-être qu'il faudra un certain niveau pour atteindre certains objets, en plus des sous que ça coûte. Je ne sais pas. Désolé, j'avais un peu baissé le son des alertes. Merci beaucoup, Pressiono, pour cet abonnement. Bon stream tout le monde, merci. Bonne soirée à toi, merci à toi. Merci pour le soutien. Navré de poser cette question. Qui sur la 1.7.0 a régulièrement des crashs? Bon, ça navré de poser ces gens, c'est à peu près dans le thème, donc ça va. Moi, mais parce que j'utilise beaucoup. J'utilise des mods sur la 1.7, donc j'ai régulièrement des crashs, effectivement. Mais si vous avez beaucoup de travail pour vous illustrer au ranked, certains joueurs sont extrêmement invincibles, lol. Ouais, je sais que je suis très loin d'être au niveau de ranked. Non mais justement, moi ça m'intéresserait de voir à quel niveau je suis. Je pense vraiment pas être dans les débutants. Je suis un peu mieux qu'un joueur moyen, disons. Mais je suis très loin des joueurs monstres, bien sûr.
Oui, bien sûr, tous ceux que j'accepte en ami sur le jeu, allez vous faire foutre. Hein. si vous commencez à me spammer quoi que ce soit ou quoi, je vous teste direct. Mais respectez ça. Alors attendez. Bonne purement esthétique. Bah Zurich, dis-moi. J'ai bien aimé ces quelques games en ta compagnie, Captain. Ah bah un plaisir, cher combattant. Écoutez, moi je vous propose qu'on se fasse des games, allons-y. Faisons de vrais games. Les invitations, niquez-vous, moi je vous banne direct. Je vous banne direct, et j'ai dit oui en plus. J'ai mis fait ajouter aux amis. Non mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux me barrer. Retirer des amis, quitter le groupe. Laissez-moi, mais attention, c'est le moment où... Alors, combattant, on va faire une petite game viewer. C'est les premiers arrivés, premiers servis. Et ceux que j'ai envie d'inviter. Voilà, rien à foutre. Parce que sinon, voilà. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Mais pas dans mon chat, dans votre esprit. Et allez vous faire. Voilà. Voilà. Commençons par les bases. Voilà, c'est ça les bases. Maintenant, je vais vous envoyer mon code ami sur Discord. Il faut que je le retrouve par contre. Je vais vous envoyer mon code ami sur Discord. Vous allez pouvoir m'ajouter. Et bah écoutez, je vais... Ah, c'est terrible. C'est terrible, mais je vais faire quelque chose. Voilà, on va être... C'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est le créateur de contenu qui va vous... qui va utiliser la nouvelle fonctionnalité du jeu. C'est pas moi. C'est le... Voilà, c'est mon métier. Vous allez voir après. Donc là, dans le channel Taverne des Muets sur Discord, pour ceux qui ont Discord, j'ai envoyé mon code ami. Vous pouvez m'ajouter. Si pas Discord, eh ben si pas Discord, pas Discord. Paf. Et sinon, ben on va regarder un peu. Non ! Ceux qui m'invitent, je les enlève à partir de maintenant. Ceux qui m'invitent, ceux qui m'invitent dans leur game, je les enlève de ma liste d'amis. Ça suffit. Et donc là, on va utiliser la nouvelle fonctionnalité du jeu pour regarder le niveau de chaque joueur. Et on va prendre les joueurs avec le plus de niveau pour jouer. Merci Tailwars, merci Abou. Merci d'avoir pensé au créateur de contenu pour qu'il puisse le faire le tri. Oh la communauté. Voilà, même si je crois... voilà. Je ne veux pas vous rabaisser ou quoi que ce soit. Je pense que la communauté, voilà, on va avoir pas mal de débutants. Je vous laisse m'ajouter. Allez-y. Oh putain, ça va être un enfer. Ça va être un enfer, je le sens. Non, mais j'ai dit, faut pas m'inviter en jeu là. Attention, hein. Faut pas m'inviter en jeu, il faut m'ajouter en ami. Darkan, merci beaucoup pour le Prime. Merci pour le soutien. Écoutez, YouTube, je mets en pause la VOD. Et lorsque l'on a bien tout setup, on revient. A tout de suite. Re-YouTube, ça y est, on a monté une petite équipe de viewers. Et nous jouons tous ensemble en Capitaine Mode. On a mis un petit peu de temps avant de trouver une partie, mais on a fini par trouver. Hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bah allons sur le point AB et puis tabassons ce qu'on peut tabasser. Hein. Ah, bloquez-les. Chargez, là, F5-3, les gars. Bon, on continue sur B. Répartissez-vous, empêchez-les de passer. Les boucliers prennent les flèches. Alors, le truc YouTube, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont jamais joué au jeu de leur vie. Et on a des joueurs qui sont un peu expérimentés. Donc, essayons de faire un bon équilibre avec tout ça. Rassemblez-vous tous sur B. Je sais pas combien vous avez de délai. Mais à mon avis, on va pouvoir rusher les mecs d'infanterie parce que là, ils sont bien séparés, tous les ennemis. Écoutez, mais faites des beaux murs de boucliers en cercle là pour éviter qu'on se prenne des flèches de partout.
Moi, y a pas de bouclier. Ok, bon, avançons sur C. Allons chercher leur infanterie. Tout le monde va sur C. On y va. On move. Shake that ass. Lâchez-moi vos formations de boucliers et avançons en courant. Courez. On est encerclés, bon Dieu. Avancez sur C, on y va. Mais courez, je vous ai dit. F2, F1. Faites-moi une ligne. Regardez, on va à droite. Il y a une infanterie là. Vous appuyez sur Alt et vous voyez Grondin le Gredin. On rush l'infanterie qu'on a en face de nous. On les secoue. Oh là, j'ai déjà perdu 7 hommes. C'est scandaleux. Aïe. Tant pis, ne vous préoccupez pas de moi. Allez prendre le point C. Oh, on se fait soulever. C'est terrible. Oh putain, on s'est fait baiser par derrière là, combattant. Ça va le faire, c'était l'échauffement, combattant. On sent qu'il y en a qui ont jamais vu, mais... Ça va le faire. Alors du coup, on a une grosse chatte et le flag à prendre, c'est à l'autre bout de la map. Du coup, je vous invite à attaquer tous ensemble les troupes d'infanterie qui sont proches de vous. Et l'important, c'est vraiment de charger en même temps. Ok, Jit, attaque à droite. Il y a tes copains qui t'attendent à droite. Ah mais même derrière vous, vous avez des mecs. Oh, je crois qu'on va reprendre à zéro. Je crois qu'on va recommencer, je crois que... De toute évidence, il faut qu'on reprenne toi, il faut qu'on reprenne les bases, combattants. Ok. Donc, réorganisons le tout. Là, ça y est, c'est terminé. Ne prenons pas tous de l'infanterie. Essayons d'avoir un petit peu d'organisation dans tout ça. Déjà, il faut pas qu'on aille sur le point B parce que sinon on va se refaire encercler. Donc, moi je proposerais un petit 2 archers et le reste en variag avec des lances. Hein, prenez tous des lances de grâce. Variag avec des lances et 2 archers. Qui veut prendre archer? Moi je veux bien le prendre, hop. Tac. Voilà. Ok, et du coup on va sur le point C du coup. Ensuite on voit quel point reste. Comme ça on fonce tous dessus et on le tient. Je suis d'accord, Grondin. Grondin le Gredin. Allez, allons tous sur C. Et vraiment, tous ceux qui ont de l'infanterie, votre but c'est de défendre les archers. Vous empêchez la cavalerie ennemie de nous atteindre. Beaucoup de cavalerie qui se trimballe. J'ai pas de lance. Mais non, mais je vous ai dit lance. Ah non, il faut... Vous y mettez pas du autre. Hein. Peut-être aller sur A de préférence. Bah sur A on va pas pouvoir utiliser nos flèches en fait. Et après quand on va devoir bouger, on va pas avoir l'avantage. Donc on va vraiment avoir du mal à bouger d'un endroit à l'autre. Défendez les archers les gars. Il y a nos archers à l'arrière qui sont en PLS. Hein. Allez, on avance. Je sais pas qui est l'autre archer, on avance sur C. Voilà, l'infanterie, défendez les archers, là. Oh putain. Ça va, ça se passe. Par contre, là, il faut qu'on prenne des flags.
À l'archer, je sais pas qui est avec moi. Donnez-nous un angle sur le mec qui est en bas. Ne vous passez pas devant. Le coquen de... Vous mettez pas de vous, l'infanterie. Laissez-nous un angle de tir sur l'infanterie. Sur les ennemis, quoi. Avancez avec vos... Avec vos boucliers en l'air, les gars. Oh là là, les cavaliers qui font du Rambo, moi ça me bute. Vous voyez les joueurs qui jouent en fait avec leur cheval comme ça, sans utiliser leur formation. C'est pas du tout dans l'esprit du mode de jeu. Oh là là, on se fait flanquer, les gars. On se fait flanquer, c'est la merde. Les gars, on était trop séparés là, je sais pas pourquoi il y en a qui étaient super loin sur le flag, il fallait le capturer certes, mais... Aïe 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 aïe. Merci un de nous pour l'abonnement. Ah les gars, go avancer jusqu'au point A. Hein. Essayez d'avoir vos troupes un minimum regroupées, sinon ça va être compliqué. Après, dans l'idée, il y a des archers aussi ennemis. Hein. Grondin, là, si tu commences à courir jusqu'au flag A, ça va être compliqué. Ils vont te tourner autour, les archers montés et tout. Dans l'idée, il faut choper un cheval. En plus, là, ils ont pas capturé le flag, donc jouer le combat tant que le flag ennemi n'est pas, tant que le flag n'est pas capturé, parce que les morales ne descendent pas. Et à partir du moment où ils ont chopé le flag, vous chopez un cheval et vous allez capturer le flag avec votre personnage. Je connais rien au multijoueur, mais je tente ma chance. Bah, il faut commencer quelque part. Hein. Le multijoueur, moi, je le trouve formidable. Juste des fois, quand tu tombes sur la mauvaise partie ou que tu es face à que des pros, c'est juste pas marrant, quoi. Donc, avec la bonne configuration, ça peut être formidable le multi. D'ailleurs, ça. Y a pas des joueurs un peu pro de Bannerland qui voudraient m'aider à organiser des trucs sur le Discord des combattants. Genre j'aimerais bien moi par exemple, là je viens de dire un truc, c'est que c'est vraiment cool de découvrir le multijoueur, mais que dans certaines conditions, genre si tu tombes face à des pros c'est trop chiant. Bah j'aimerais bien pouvoir organiser des games où y a que des noobs, genre qui jouent pour la première fois au multijoueur, qui jouent contre que des noobs, genre pour la première fois, vous voyez. Que des débutants dans des débutants. Captain Gunfraka, faut une meilleure stratégie. Oh, Captain Rex qui me dit que la stratégie n'était pas bonne alors que c'est lui qui l'a pas suivi. il fallait pas qu'on se sépare, les gars. Il fallait défendre les affichés en priorité, et si on avait des problèmes avec les flags, on serait allé les chercher sur la dernière limite. Mais on peut pas et prendre les flags et utiliser la puissance de nos archers. Là, on s'est fait niquer par les archers montés. Donc dans l'idée, il faut faire la même chose, mais non, t'as trop d'archers, les gars. Bon, essayons d'aller sur le point A. Go A, les gars. C'est le seul truc qu'on n'a pas testé. Et on perd au bout de 3 manches, donc... assez complexe quand même, le multi. Tellement sympa, mais à première vue, tu t'éclates mieux en groupe. Ah bah c'est un jeu en multijoueur, quand tu joues en équipe, c'est une dinguerie. Le jeu d'équipe sur le jeu est vraiment fou. Mais de base, il faut pas y aller en pensant... Moi, je me fais des games où je joue solo. Souvent, je lance... Enfin, souvent, ça m'arrive. Ça m'arrivait plutôt. Dernièrement, un peu moins. C'est pour ça que je suis content de refaire un peu de multi.
Mais si cette stratégie marche, il y a de grandes chances qu'ils jouent tous Rebel après. Je suis pas d'accord, Grondin. Bon, on va voir. Attendez, je me concentre un peu sur la game, cher combattant. Et on va voir. Alors, le Khajiit, du coup, si t'es pas habitué à jouer cavalerie, ton but à toi, c'est pas de rester avec nous, c'est d'aller prendre des flags, te balader sur la map. Et lorsque bah, t'as la possibilité de revenir vers nous, tu peux revenir. Après, il faut surtout pas que tu te retrouves aggro par les autres cavaleries. Et donc, reste pas trop loin de nous. Et si tu vois qu'on se fait contourner... Attention derrière nous, les gars. Je vous laisse aller sur le mur. Moi, j'envoie mon infanterie pour défendre les archers derrière. Captain Rex avance là. Faut que tu restes avec l'infanterie. Oh putain, il a déjà plus de troupes, Captain Rex. Et ah, mais ça, vous voyez, ça c'est juste un joueur avec un glaive qui a tourné autour d'un régiment. Et ça, ça c'est la grosse play du mode capitaine. Et Tail Wars n'a rien fait pour mettre en place un système qui empêche de faire ça, qui empêche les joueurs de faire ça. Et c'est un peu le problème quoi. Collez-vous bien aux parois, les archers, là. Allez, hop. Bon, étant donné que les cavaliers, eux-mêmes, utilisent des stratégies de pupute, comme j'aime bien les appeler, et ben moi, je vais utiliser une stratégie de pupute, c'est-à-dire que je vais prendre un cheval, et je vais contrer la cavalerie avec leurs propres chevaux. Mais c'est moins pupute que d'utiliser un cheval pour aller chercher les régiments ennemis quand même. Bon alors, chers combattants, comme on sait déjà que ça va être en face, allons chercher les points B et C dès maintenant. Allons-y. Ça va forcément être un des deux au point, donc allons-y. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Les archers suivent bien. On espère que c'est le point B, mais si c'est le point C, on court. Ok, c'est le point C, on y va, on y va, on y va, on y va. Déplacez-vous bien tous en groupe, c'est le plus important. Plus que d'aller vite, l'important c'est de rester en groupe. Allez, on y va, on va avoir du mal à capturer le flag. J'y vais avec un cheval. Si vous avez moyen de choper un cheval et de, d'aller sur le drapeau pour ralentir sa descente, n'hésitez pas. Bon, j'ai laissé mes troupes faire toutes seules, là je les ai envoyées à la charge, j'avais l'impression qu'il y avait du combat. Donc je vous laisse me dire s'il faut que je bouge ça ou pas, s'il faut que je change. Ah bah il y a mes troupes qui sont en train de se faire défoncer. Ah tout le monde est mort. Aïe aïe aïe, et c'est un beau 3-0 qu'on a pris. Dernier là non? Alors on va pas faire durer le. On va pas faire durer le plaisir. Tuez-moi, tuez-moi! Tuez-moi! Non, après je comprends que ce soit pas forcément évident pour les débutants de gérer leur formation. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Enfin après peut-être qu'il y a un gros, il y a un gros délai et tout sur live aussi, hein, mais. Mais là on n'était pas assez ensemble, structuré et. En train de faire les mêmes choses au même moment. Typiquement, quand on a commencé à bouger vers B, on était moi et Grondin, on était les premiers.
Et derrière, ça avait du mal à suivre. Et même au moment où on était déjà sur B, il y avait encore quelqu'un qui était au niveau des de la forteresse où on était avant. Bref, tant pis. Comment contrôles-tu la cam indépendamment de la vision? C'est avec la touche petit 2. On aurait dû prendre deux caves. Bof. Mais, enfin, ouais, bof. La stratégie de la cavalerie, je l'aime pas trop parce que... Si tu veux jouer cavalerie contre des joueurs comme ça, t'es obligé de faire pareil qu'eux et d'utiliser une stratégie dégueulasse que je trouve. Ça s'appelle le Rambo. C'est le fait de prendre son cheval et laisser ses troupes dans un coin pour qu'elles te servent de vie, en fait, pour que tu puisses respawn dessus. Et juste faire l'équilibre avec ton personnage et ton cavalier. Et c'est vraiment pas le but de ce mode de jeu. Et donc, prendre de la cavalerie pour contrer le mal par le mal, j'aime pas trop. Il te faudra un vocal, Captain. Oui, je suis d'accord, hein, d'habitude on fait ça, mais là ça a été un petit peu organisé à la dernière minute. Bah voilà, chers combattants, écoutez, quelle heure il est ? 21h15, on est à 2h de VOD. Demain, on se retrouve à 10h pour Kingdom Come Deliverance. On peut s'en faire une autre petite. On peut s'en faire une autre petite en siège. On se balance ça, là, il y avait du monde en plus. Ah merde, on va peut-être pas avoir passé du monde. Ah, désolé les gars, je kick au pif. Paf. Hop. Y'a pas assez de place, Je kick jusqu'à ce qu'il y ait de la place. Je kick jusqu'à ce qu'il y ait de la place. Désolé les gars, on se retrouve sur le serveur siège. Hein. Ah, y'a pas de place. C'est bon, tout le monde peut rejoindre le serveur siège. Ah, je viens de kicker tout le monde alors qu'on peut rejoindre le serveur. Rejoignez le serveur! Et allez dans l'équipe de défense! Allez tous dans l'équipe de défense! De défense. Plein duel là. Non. Ah, j'ai du mal avec la masse. Elle est un peu lente à mon goût. Mais bien joué à lui. Ah, ça y est, merde, le serveur est bon. Alors, combattant rassemblement sur le point A. Il faut défendre le premier point de la forteresse. Mais du coup, moi j'ai pris la pire classe pour défendre, vraiment. J'ai pas fait exprès. Défendez le point, défendez-le! Oh, c'est beau. Ça tient bien, là d'habitude il est déjà plein ce point. Déjà trop d'ennemis et c'est la merde et c'est perdu. Allez hop. On va toiser l'ennemi du dessus là. Raté. Oh, c'est parti dans le bouclier, je suis déçu. Very much déçu. Mais merde. J'arrive pas à toucher alors qu'ils sont collés à moi là, c'est fou. Non, salaud.
C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont... Non, ils sont partout, ils sont partout. Laissez-moi, laissez-moi. Je vais me cacher dans ma tranchée. C'est bon, c'est bon. Je survivrai. Ah, il y a le point B aussi, combattant, pour ceux qui respawn. Ceux qui sont déjà sur le point A, il faut le défendre, mais sinon il y a le point B. Ouf, y a du monde là. Oh, je pensais que j'étais à couvert, mais pas assez visiblement. Comment ça, j'ai si peu d'argent? Je suis pauvre, je suis pauvre. Je vais sur le point B parce que là, visiblement, on va le perdre. Ah, quoique. Non, on est en train de le recapturer, du coup, je vais sur le point A, moi. Parce que quand j'y suis, quand je suis mort, ça avait l'air d'être la galère. Oh! Ça, ça défend bien, là. Hein. Toutes les games de la soirée où on s'est mis en attaquant, visiblement. Enfin, je dis pas que c'est à cause de moi, hein, attention. Mais toutes les games où on s'est mis en attaquant, ça passait comme du beurre et on arrivait tout le temps à gagner. Là, après, c'est loin d'être gagné, hein, c'est que le début. Mais là, on tient bien la première ligne de défense et les attaquants ont vraiment du mal. Voilà, objectif, c'est de rester caché. Et je surgis comme ça, je bondis. Je bondis quand il y en a un qui arrive. Je bondis. J'arrive pas à bondir. Je... Voilà, faut que je bondisse sur eux là. Je bondis. Je... Mais merde, ma guillotine elle ne marche pas. La... Oh. les dégâts des balises, c'est à moi, c'est monstrueux. Je bondis. Ils m'ont bondi. Ils m'ont fait bondir. Ah, c'est terrible. Ça n'a pas du tout marché ma technique. J'ai réussi à mettre quelques coups, mais pas plus que ça, quoi. Oh, on peut retenter la technique. Non, mais j'y crois. Oh non, non, mais les mecs qui ont réussi à se faufiler dans la forteresse pour prendre quelques points, là, ça m'en fout, ça. Ça, c'est quelques précieux instants qu'on peut perdre, ça. Pour le futur. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Il y en a un qui est planqué derrière ça. Non, c'était un bug d'affichage. Non! Ah, le bâtard! C'était trop dur. Avec ma lance immense là, c'était trop dur de l'avoir au corps à corps. Mais je trouve que je suis pas si mal sorti contre un chevalier comme ça. Et ben voilà, et du coup on perd tout parce que tout le monde se replie pour prendre les autres flags. Ah oui, mais parce que là, il y avait une tour de siège ici qui a été avancée, bien joué à eux. Ok, voilà, là c'est nous qui avons mal joué là. Et ben c'est le moment où possible de vous rejoindre. Bah ouais, je suis sur le serveur siège et je suis en défense là. Et y a d'autres combattants dans l'équipe des défenses et du coup, de temps en temps je dis quelques petits calls. Quelques petites annonces, genre rassemblement ici, en fait. Essayons de faire un truc là, hein, voilà. Ce genre de choses. Dans l'idée, j'aimerais casser cette. J'essaie de trouver la meilleure façon de faire des dégâts. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Aidez-moi à frapper. Allez, les combattants là qui sont avec moi sur le live, là, je suis en train de taper une tour de siège sur la droite de la forteresse. Si vous avez du temps pour vous ramener et la taper, ça serait formidable, je pense.
Effectivement, je fais plus de dégâts en faisant ça. Là. Néanmoins, si on est que deux, ça marche pas, c'est terrible. Bon, on n'y arrivera pas. Non! Viens là! Hop, je vais prendre sa petite arme là. Hop, et avec ça, je vais faire plus de dégâts sur le... Voilà! Ça coupe mieux ça! Ah, là je me sens mieux, là je me sens en vie là. Non, je suis dégoûté d'avoir raté ce coup là. Ça se passe pas si mal hein. J'ai réussi à tourner autour de la truc pendant un petit moment hein. J'en ai fait des dégâts à cette tour, même si voilà, ça a l'air d'être compliqué. Pas dégueu, pas dégueu. Oh le bâtard, j'avais pas vu, j'avais pas vu que c'était un ennemi lui. Il y en a combien? Ils sortent d'où les mecs? Truc de fou là. Oh non, je me croyais trop malin du haut de ma fenêtre. Je me suis dit, oh là, il y en a aucun qui me voit, je vais lancer un javelot, ça va le one shot. Je lance mon javelot, ça les fait 3 dégâts et après je prends un carreau dans la gueule. Ah merde. Je suis très déçu. Très déçu de ce move. Aïe. Bon non, j'étais sûr que j'allais frapper plus vite que lui là, je suis outré hein. Oh là là, il reste tellement de points de vie sur ce truc là. Oh le bâtard, il m'a feinté de fou, il m'a tout s'est bien passé. Ça a l'air d'être compliqué là, ça va pas être possible de détruire le petit truc. Ils ont l'air d'avoir pénétré dans la forteresse. C'est compliqué là. À ceux qui sont sur le serveur, là, regardez le stream, je suis à droite de la forteresse, faut venir la péter cette tour de siège là. Après là c'est un peu tard, hein. Si on l'avait pété avant ça aurait été mieux mais... Oh. Oh, yo, 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 yo. On se fait déborder. Ah ouais, non mais là c'est la merde là. Là on est en galère axe. Il me semble que maintenant ça ne sert plus à rien qui les avance. Enfin qu'on essaie de détruire la tour de siège maintenant qu'elle est là, elle est là. Et il suffit de défendre le point E là. Oh non, je me suis fait one shot de fou là. Enfin, two shot instant. Je suis sûr que j'aurais été bon sur cette. Ah là là, il était beaucoup de toute façon. Ah, il passe sur le mur les gars, il passe sur le mur, défendez le mur. Aïe 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 aïe. C'est You Wolf. Bienvenue. C'est impossible de détruire une tour de siège et tu forces, je suis cuit. Bah si je suis tout seul à taper dessus, oui. Si on était 5 à faire ce que j'ai fait, c'est sûr que la tour de siège serait pétée depuis tout à l'heure. Donc non, c'est loin d'être impossible. Hein.
T'as pas vu la barre de vie qui est descendue avec tous les coups que j'ai mis dedans? Non mais ça suffit là! Shooteré, shooteré! Alors là, je sais pas comment je l'ai eu. Viens là toi, viens là, ramène-toi. Ramène-toi. Non, il m'a eu d'où lui? Oh non, il était planqué dans la tour, petit bâtard! Petit bâtard! Non! Ah là là, je me sentais malin là. Je me sentais au-dessus des lois. Ah non. D'où j'ai pris une flèche là? Comment ça, il y a un mec derrière moi à cet endroit là? Oh, il y a des mecs qui ont pris le point G. Enfin, de toute façon, à partir du moment où ils prennent le point G, ça sert à rien, je crois. Sauf si le point G arrive à zéro. Mais notre morale remontera tant qu'on a un autre flag que le point G. Enfin, tant qu'on a un flag en fait. J'ai perdu mon épée. Je me retrouve avec une épée dégueulasse de recrue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les points. Je l'ai tout. Ouais, ça va être compliqué. Là, le point E, il est juste ici. Le point F, il est de l'autre côté au niveau des petites... du petit bordel, quoi. Ouais, le point F, il est là. Le point E est là. À mon avis, ça va être compliqué. Compliqué, compliqué. Il fait quoi? Tu fous quoi? Bah écoute, regarde le titre du live et regarde ce que je fais et voilà. Que veux-tu que je te dise de plus, mon cher? J'avais pas vu ton message d'avant, mais... Lui, dans le dos là! Comment ça je rebondis? Je tape avec le pommeau, au secours! Il m'a envoyé au 7ème ciel, cet homme. Il m'a... Oh, quel homme! Putain, il m'a défoncé! Oh la vache! J'ai mal! Oh! Oh! Oh le pilum! Oh, je veux ça! Je veux ça toute ma vie! Non mais c'est bon, t'es ok. Y'a des gens, ils sont moins dans le mou, tant pis. Alors, je le sens pas bien, mon histoire du pilum, là je vais balancer, voilà. 62 dégâts. Bon, c'était sur un chevalier en même temps. Ah, voilà, coup du haut. Ah non, arrêtez, j'ai gueulé. Je suis rentré en mode Beyblade, vous avez vu. Quand vous êtes encerclé, jouant Blade, et vous levez votre bouclier et vous tournez. En général, ça fait croire à vos ennemis que vous êtes un joueur expérimenté. Sauf les joueurs très expérimentés qui savent, eux, qu'il vous suffit de vous taper un coup et c'est terminé. Il suffit d'attendre le bon moment, vous voyez, où c'est le moment où il doit frapper et hop, il lâche. Oh, quel bordel! Alors le point F, ça a l'air de tenir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les flanquer un petit peu et de ralentir le flux? Je vais aller me sacrifier en me mettant au niveau de la position, au niveau de la porte là. Oh là là. J'ai besoin d'aide. Combattants qui sont sur le serveur, quand vous respawnez, montez sur le mur à droite et venez m'aider. Je suis seul face à tous. J'ai besoin de vous, au secours. J'ai plus de bouclier, combattant. Y'a besoin de vous.
Non. Sympa le flank. J'avoue, je veux flanquer et je me retrouve face à toute l'armée ennemie. Par contre, le mec à l'intérieur, il a fait une dinguerie ou quoi? Il a tué tout le monde? Comment ça se passe? J'ai vu 5 ennemis sur ma gueule. Et le mec, il est rentré, il a fait laisse-les moi. Et il est plus jamais ressorti, mais il n'y a plus personne qui est sorti non plus. Pas mal, pas mal. Merci, camarade. Alors, ils sont plus là, les mecs, là, maintenant que j'ai des javelots? Bien sûr. Maintenant que j'ai des javelots, je peux riposter. Ah, il est monté en haut de la tour et il s'est battu en haut de la tour. Non, mais incroyable. Incroyable, cet homme. Vas-y, et bouge, bouge. Bouge ton boule, bouge ton boule. Là, il faut sauter. En mode Assassin's Creed. Assassin's Creed. Attention, vas-y, avance-toi. Avance-toi, avance-toi, avance. J'ai raté, j'ai raté. Toi, t'es mort. Tellement mort, voilà. Et là, c'est le moment de... C'est l'instant de tous les instants. Je ne sais pas où aller. Ah voilà. Ah voilà, voilà, voilà. C'est le moment où je peux balancer des... Comment ça? Mais non, petit bête. Il m'a en joue. Regardez, il va ressortir, il va... Je savais. Comment ça, stream hacker là? Comment ça, le mec, je lui arrive dessus? Bon, c'est peut-être parce que mon mec a crié, a fait un énorme bruit de souffrance, genre ah, en tombant et qu'il s'est retourné. Je suis outré. Personne se retourne quand il entend ça. Ouais, on y retourne. C'était pas mal la petite défense du mur à droite là. J'ai l'impression que c'est l'endroit clé. C'est l'endroit où ils peuvent nous flanquer et c'est là que ça se joue. Du moins mon devoir m'appelle là-bas. Vas-y Captain Rex, on y va là. Mon capitaine, en avant. Lève ce bouclier. Allez, viens, viens, on va les bloquer, suis-moi. Oh non. Voilà, on les retient tous, capitaine, vas-y. Vas-y, Rex. Après tous ces moments de live, c'est notre moment. Tous ces moments qu'on a vécu. Voilà, on aura ralenti les flux. Non, je suis pas sûr que ça a été très bénéfique. C'est quoi les étoiles en haut? C'est le moral des deux équipes. Si les étoiles de l'équipe en face arrivent à zéro, eh bien ça veut dire qu'on a gagné. Et comment ils font pour augmenter leur moral? Il faut qu'ils capturent un des deux flags. Et pour l'instant on les tient très très bien. À gauche! À gauche! Ils sont en train de prendre le point F. Combattant! Combattant! Le point F! Empêchez-les! En plus, il reste que 4 secondes sur ce flag, donc... Comment il a réussi à mettre un coup à moi dans cette masse? Ok, bon, ça va, le point F, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Oui, we won, oui! Oh, le serveur qui crash! Non! La game était pourtant... C'est revenu? Oh, j'ai eu un espoir pour le serveur. Non! On avait passé une soirée parfaite, sans aucun crash, avec seulement des problèmes entre les switches de serveur, donc ça allait, mais non, presque, oh, Tell World, on était si proche du but. Non, j'allais faire ma première victoire. Non, en plus j'avais fait un score pas dégueu, je pense, voilà, 24e. Ah non, c'est le ping, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e sur 60, ça aurait fait pas mal de scores. Là, j'arrive à 17 de points, 17 de bulletins en plus. De bulletins, j'ai dit. De bulletins en plus. Mais je pense que ça aurait fait beaucoup plus si la partie avait été terminée et gagnée.
1000, incroyable! Mais on a gagné plein de butins, c'était une super soirée. Oh là là, oh, c'était incroyable. Combattant, j'ai passé une super soirée, on va s'arrêter là, je pense. On a fait 3 heures de live, c'est un peu moins que d'habitude. Mais justement, j'ai pas mal de trucs à préparer pour la semaine prochaine. Là, et je vais me reposer parce que demain, à 10h du matin, on continue l'aventure Kingdom Come Deliverance. Mais avant, on s'achète un petit truc là. Tu vas pouvoir t'acheter un casque royal. Ah ouais? Genre je vais là, je fais ça. À la base, c'était passer mon paysan de paysan à combattant. Vous voyez? Ah, je suis toujours... Là, parce que là, mon chevalier, certes, c'est un chevalier de base. Mais il reste chevalier, quoi. Bon, là, ça fait le roi sur le champ de bataille, certes. Mais bon. Oh, ça va être tellement bien, chers viewers, quand on va faire des batailles de clans et que les clans, ils vont s'habiller avec tous les pecnos, ils vont être habillés en pecnos et le chef du clan, il va avoir une couronne sur sa tête. Ça va faire des régiments et tout avec leur roi au milieu. Et ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Mais du coup, je suis pas trop chaud pour cette histoire de roi pour l'instant. Pour l'instant, Et vous préférez avec mon chevalier qui a déjà un charisme, même si c'est le chevalier de base. Il reste chevalier ou qu'on passe notre paysan de paysan à soldat. Là on a quelque chose quand même, non? On a un mec, on a envie de combattre à ses côtés. On sent qu'il est sorti d'une vie difficile. Et qu'il est là sur le champ de bataille pour se battre pour son roi et rien d'autre. Mais là, fais un sondage. Tout à fait, je suis d'accord. Bah écoutez, cher Modo, à vous de faire le sondage. Voilà, c'est pour vous. C'est pour vous ce soir. Ça vous entraînera au sondage. Est-ce qu'il y a un Modo capable de faire le sondage ce soir? Qui se désigne? Ok pour le paysan, mais lui, faut la coiffe en tissu. C'est vrai que la coiffe en tissu... Parce que là, on passe de coiffe en tissu à un truc... un truc comme ça. Je sais pas. Ça pour moi c'est un non catégorique. Oui, je vais le faire à temps. Tu peux rappeler le sondage. Bah Malik va le faire. Malik est au taquet. Merci Malik. Soit un paysan. Soit on améliore le paysan pecno, soit le truc goldé quoi. Ce charisme de paysan là, mama. Après, là c'est plus paysan ou autre en fait. Parce que moi la couronne dans tous les cas... Parce que sinon il y a ça aussi, il y a la panoplie à 500 quoi. 500 et on se retrouve avec un truc batanien pas dégueu. Mais moi je préfère Vlandien, hein, parce que moi je vois tout le temps pour les Vlandiens ils sont dans toutes les parties à peu près. Il y a souvent Vlandien quoi, c'est la faction la plus aimée j'ai l'impression. D'autant plus que le Gambison, oh là là, le Gambison il servirait aussi pour mon arme à l'étrier. Parce que là, si je l'achète pour le paysan, paf, on le retrouve aussi chez l'arbalétrier. Arbalétrier qui est vraiment immonde ici. Et oui, et bien sûr. Regarde le casque défiant. Ici, là, le casque défiant. Obélix tombé dans la marmite quand il était petit. Obélix. Ah bah vu le Vix il est pareil en plus, il a exactement le même look qu'Obélix, je suis d'accord. Oh non, Obélix? Non quand même.
Non, non, le sondage, là. Moi, je le fais, hein. Je vais le faire. Je vais le faire, le sondage. Ah, vous avez une minute, c'est lancé. Attends 30 secondes. Trop tard, Malik, c'est fait. C'est fait, Malik. Ah, je suis habitué, je suis habitué. La prochaine fois, tu sens affaire au tac au tac. Mais... Pour l'instant, la francophonie est divisée. Les combattants sont divisés. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour le follow. No reason, c'est ça? No reason. There is no reason to buy the fucking casque Double X. Thank you, no reason. Merci pour le follow. OG Petit Panda aussi qui a follow. Et Wars qui a follow il y a 19 minutes. C'était 17 minutes pour Monsieur Panda. Je vote paysan à condition que tu farmes le multi. Ah, c'est paysan qui l'emporte avec 75% des votes. 36% pour autre. Eh bah ok, c'est noté. Mon petit cœur penché aussi vers le paysan. C'est parti pour le paysan. Paf. L'achat est réalisé. Ce soleil ! Regina, merci beaucoup pour cet abonnement offert à... Craze. Regina, incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Bah écoutez, allez, on achète. Hein. Paf. Et c'est parti pour le défilé de mode en équipe. Et maintenant, objectif, aller chercher un couvre-chef, quoi. Lequel, quoi? Ça sera sûrement celui-là. Parce qu'il y a celui-là. Non, quoique. Non, c'était celui-là que je m'étais dit, moi, la première fois. Parce que là, je prends tout le temps ça et ça. Voilà. Dans l'idée, je prends ça comme équipement. Et là, pour les épaules, il y a des trucs. Et oui, il y a des trucs. Parce que là, il y a des trucs qui font du combo. Et oui, il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez, combattant? J'aime bien l'idée du combo. Mais la réalisation, elle... Oh, les armures sont dégueulasses. Les trucs à mettre sur les épaules, c'est dégueulasse. Je préfère le truc de base. Mais bon, le but, c'est d'avoir un look différent des autres aussi. On essaie de se démarquer dans cette société, bien sûr. Non, bah, ça sera le truc de base avec un casque et le casque... Enfin, le couvre-chef, disons. De dos, ça donne quoi? C'est important aussi, de dos. Ça, c'est un peu trop collé, ça, c'est un peu trop... Ça fait un peu trop aviateur, c'est pas d'époque, ça, je reconnais. C'est pas la même époque. Là, Ça, c'est non aussi. Pour moi, ça se joue entre ceux-là, quoi. Bref, on fera le choix au moment venu où on aura les sous. Parce que là, nous sommes ultra pauvres maintenant. En tout cas, il faut que j'équipe aussi mon arbalétrier. Paf. Et l'arbalétrier, on peut switcher un peu les choses là ou pas pour qu'il ait un meilleur look encore. Pas mal. J'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont juste changé la couleur du... Quoi? Y a un problème là. Y'a que moi qui trouve que... Dégueulasse la couleur là. La couleur rouge elle est immonde. Je connais Hell Let Loose sur Steam. Je connais Hell Let Loose de loin mais je n'ai jamais joué. Voilà. Je suis plus intéressé par un jeu de première guerre mondiale comme
Beyond the Warrior, où il y aura plus, beaucoup plus de combats à la baïonnette qu'un jeu Seconde Guerre mondiale. Perso, j'aime bien. Celui-là ? Mais moi j'aime bien l'idée, mais la réalisation, la couleur rouge est vraiment trop différente du Gambison, quoi. Là, moi, je dis pourquoi pas, ça. Bref. Ah, mais là, c'est le moment où il faut acheter un casque qui va aux deux. Et oui. Parce que si j'achète celui-là qui est à 500, il est aussi mettable sur ce personnage-là. Eh ouais, mais du coup, bah bien sûr, bien sûr. La chapelle de fer incroyable, elle n'est pas disponible pour l'autre pecno. Et donc acheter un truc pour ce pecno là revient à acheter un truc dégueulasse pour ce pecno là. Alors que pour le même prix, on a des trucs formidables, j'en suis sûr. Genre ça, c'est très moche. Et voilà, on a des trucs bien mieux. Avec de la côte de maille, quoi. Bon, bref. Et pas le petit Gambison là ? Non. C'est dégueulasse le hein ? Non mais ça c'est moche ça là le truc. Ils ont repris le truc du paysan, ils ont mis un casque dessus. Oh j'aime pas trop moi. Après ça donne un style hein, ça fait la confrérie des pecnos quoi. Je doute pas que voilà, il y a peut-être quelques-uns qui vont l'aimer ce casque, donc moi je sais pas. Mais bon bref. Alors que là, une botte côte de maille, suivi, into, il n'y a pas de côte de maille, into armure améliorée, into cap, non, into comme ça, hop, et voilà. Et là, oh. Et là, à la limite, mais bon, bof. Et le chevalier. Astérix est là. Comment ça Astérix quoi? Quoi Astérix? Rien à voir. Hein? Pas du tout. T'es sur Discord, il y a moyen de faire des games. Ah mais pardon, vous partagez vos pseudos. Rien compris moi. Fais sa petite vie dans le chat quoi. Je comprends. Non mais par contre la petite armure pas dégueu du roi là sur le chevalier me plaît bien. Alors que le fait de l'avoir à pied, je trouve que c'est un peu trop presque. C'est un peu trop. Oh mais à pied là, t'es au milieu de l'infanterie et t'es comme ça là. T'as un vrai look quoi. Par contre tout le monde va être roi sur le champ de bataille à force. C'est un peu dommage je trouve. La couronne là, elle devrait pas coûter 1000, elle devrait coûter 10 000. Pour moi, elle devrait être beaucoup plus chère. Parce que là, tout le monde est avec une couronne de bataille sur le champ de bataille dans quelques mois quoi. D'autant plus que, en tant que joueur, moi, je vais pas m'emmerder à acheter tous les trucs qui me font monter. Genre tout ça, là. Je vais pas m'emmerder à l'acheter maintenant. Je vais d'abord farmer pour avoir le meilleur truc. Sauf si ça, c'est pas disponible dû au niveau que j'ai. Peut-être qu'il faut atteindre un certain niveau pour débloquer les trucs. Et là, c'est intéressant, je pense. Là, il y aura un délire. Sur le siège, tout à l'heure, il y avait un mec de l'Empire avec le casque royal, il était stylé. Oh, je n'en doute pas. Avec celui-là, tu veux dire ? Moi, je suis plus... celui-là, il est un peu... Il n'a pas le même look que le reste. Oh, non, il y a quand même un délire, là. Il y a quand même un délire. Même si ça fait plus troupe d'infanterie. Oh, je sais pas. De toute façon, j'ai plus de thunes. On peut rêver devant les produits, on peut rêver devant la vitrine. De toute façon, j'ai plus de thunes. Voilà. Ça, j'ai envie de jouer. J'ai envie de continuer de jouer. mais il faut que je m'arrête. Demain, on a live sur Kingdom Come Deliverance. Écoutez, si vous voulez revoir du Bannerlord en multijoueur, on en refera la semaine prochaine, je pense. On en refera la semaine prochaine, vite fait, à la fin des lives Kingdom Come. Mardi, mercredi et dimanche.
Je vais vous préparer un petit programme aux petits oignons pour la semaine prochaine. Et voilà, YouTube, c'est la fin de cette VOD. J'espère que cette partie shopping à la fin vous aura intéressé et peut-être vous donnera envie de jouer au multijoueur du jeu. Si vous voulez y jouer, je vous invite à passer sur le Discord des combattants parce que là, on m'a donné l'envie d'avoir envie. On a rallumé ma vie. J'aime la vie. Non, en vrai, là, l'envie de m'investir un peu plus sur le multi de base du jeu commence à être là. Et notamment sur le fait d'organiser des petits événements, là. Organisation de petits événements, enfin pas petits événements pardon, mais de petites games avec que des combattants où on fait des clans et on s'invite et on joue ensemble. Ça me tente bien. Ça me tente bien. Ça va être compliqué à organiser par contre, il me faudrait de l'aide. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont intéressés pour m'aider? Est-ce qu'il y a des gens pour m'aider à faire des petits événements et tout? Parce que là, il y a une histoire de gestion de clan. Il faut créer un clan et inviter les gens dans le clan pour qu'ils puissent faire une game ensemble contre un autre clan. Bref, si vous êtes intéressé pour m'aider, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Discord. Et on en discutera. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ce soir. Bisous YouTube. On se retrouve bien sûr au prochain combat. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, j'imagine que vous l'avez aimé. Alors n'hésitez pas à le signaler en dessous de la vidéo avec le pouce en l'air. Ciao ciao. On se retrouve au prochain combat.